grâce, et notamment l'homme des Anglo-Arabes. Les Anglo-Arabes sont derrière nous et nous allons attaquer le concours élite, vraiment le moment tant attendu de cette journée de Tarbes. Nous sommes le vendredi 7 octobre et nous allons vivre désormais, à partir du numéro 11 qui est juste derrière moi, que je vais vous présenter dans quelques instants, le concours élite des Anglo-Arabes de Tarbes 2011. Alors voici le numéro 11. Donc on commence avec un fils de Landau. Alors c'est le seul fils de Landau présent à ce catalogue, une rareté, puisque Landau est toujours un étalon tout droit, merci monsieur, tout droit, est un étalon d'origine allemande qui a fait la monte pendant 3 ans à des tarifs assez importants, entre 7 et 10 000 euros. Fils d'Akatenango, Landau, le père de Touch of Land, Naman, est notre champion, 6 gagnants de groupe 1 individuel. Le numéro 11 s'appelle Come Home, reviens à la maison, viens à la maison. Et il est présenté par monsieur André Rosjoé du 32 Bonas, c'est dans le Gers. Landau et Omed, la mère, elle est par gnome. Nous avons vu tout à l'heure son le père de mère, donc gnome, passé, présenté en tant qu'étalon des rats nationaux. La jument a gagné elle-même en obstacle. C'était à Bordeaux-le-Bouscat. Elle était troisième du prix de Ginesté à Pau, qui est une épreuve classique pour les chevaux d'obstacle à Pau. Elle est aussi deuxième de la Coupe des Pouliches pendant l'hiver à Pau en 2001. Donc c'est le seul et imposant, d'ailleurs très imposant, c'est un grand 2 ans. Hein, vous voyez qu'il a vraiment beaucoup de taille. C'est un grand 2 ans, le seul 2 ans qui a 13,38% de sang anglo-arabe, donc qui a moins de 25% de sang anglo-arabe. On va passer avec le numéro 12 aux chevaux qui ont plus de 25%. Et donc là, c'est le seul cas comme Home qui a moins de 25% de sang anglo-arabe. C'est un peu étonnant qu'il n'y ait qu'un seul anglo-arabe nouvelle forme, en fait, quelque part, c'est-à-dire des chevaux qui ont moins de 25% de sang anglo. Le seul poulain dans cette catégorie, donc il a une bonne chance de gagner. Si c'est le seul, forcément, c'est un walkover, comme on dit. Et en même temps, c'est un cheval vraiment hyper imposant, un 2 ans qui mesure à vue de nez 1m68 au moins. Yann, mets-toi pas trop devant la caméra, s'il te plaît. C'est pas grave. Allez, il fait combien à vue de nez? 1m68? Voilà, il fait un bon 68. Un bon 68, peut-être même 70. Voilà, bon, il a à gauche, il a un genou qui vient un peu de traviole, il a un cirrhose. Tiens, on va serrer sur le genou, on va vous montrer ce qu'on va vous dire. Le genou de l'antérieur gauche, c'est-à-dire à droite de l'écran. Vous voyez que ce genou, en fait, il n'est pas dans l'axe. Alors, effectivement, c'est un peu technique, mais en fait, si on tirait une ligne qu'on appelle au cordeau, c'est-à-dire vous prenez une ficelle, vous mettez un poids en dessous, vous prenez à la pointe de l'épaule et vous allez jusqu'au milieu du pied, en fait, vous rendez compte que le genou est quelque peu désaxé. Et en fait, en plus de ça, le cheval, il a comme un léger suros juste en dessous du genou, à l'intérieur du canon de l'antérieur gauche. Oui, mettez, s'il vous plaît, juste mettez pour pas devant la caméra, mais c'est pas grave, vous êtes très beau aussi, ne vous inquiétez pas, mais... Ah bon, vous êtes très vilain. Et vos genoux, ils sont bien aussi ou... Voilà, blague mise à part, bon, c'est un cheval très imposant. Alors effectivement, c'est assez peu étonnant que ce grand cheval qui est en pleine croissance, il ait des aplombs pas forcément catholiques, dirons-nous. Mais un beau cheval ici, ce Landau et Omed, qui contrairement à ce que son nom peut l'indiquer, est bel et bien un anglo-arabe présenté par monsieur André Rosjoé de Bonas dans le Gers. D'accord, donc monsieur l'anglais pour le moment observe mais ne participe pas au jury puisqu'il est chargé de mission pour acheter un poulain. Donc il s'est retiré du jury. Voilà, monsieur l'anglais qui est allemand, comme son nom ne l'indique pas. Alors, on n'a pas trop de chance là parce que la pluie elle reprend juste au moment où on reprend l'antenne. Donc on va passer au numéro suivant. Alors je vais pas aller les chercher là parce que là il pleut là quand même. Hein. Donc le numéro suivant ça va être le numéro 12. Les notes attribuées par le jury. Alors.
Pour le modèle, 7,5. Pour les membres, 6. Pour le pas, 6. Pour le trot, 6. Et pour le type et l'impression d'ensemble, c'est un 6 aussi. Hein, ouais, donc le cheval, le landau a une bonne note au niveau de l'impression d'ensemble, il a 8 parce que c'est un cheval qui a de l'allure, qui a de l'expression, qui est assez imposant. En revanche, pour les aplombs, il n'a pas une super note, il n'a que 6. Alors on va demander le cheval suivant, peut-être, puisque là il pleut, donc on va essayer d'activer un petit peu. Donc on va pas laisser voilà. On va pas laisser les chevaux traîner sous la pluie. J'allais dire sous la flotte, mais sous la pluie. 35,5% de sang arabe. On appelle donc le numéro 12, Groumi. Allez, Groumi. Élevé par Yann de Kersabiak, éleveur en Gironde. Groumi est un fils de Gringoum. Et Lagouate du Barp par Falem. Allez, Groumi, un fils de Green Groom, lui-même fils de Green Tune et d'Anna Groom, une origine Wertheimer, élevé par Yann de Kersabiek. Alors, Yann de Kersabiek, il élève en Gironde, c'est le successeur de la fameuse baronne de Ginesté. Un grand élevage, alors que la pluie redouble. La baronne de Ginesté, donc grand élevage historique en Gironde. Son successeur, donc Yann de Kersabiek a repris cet élevage et nous présente ce poulain qui s'appelle Groumi qui a 25,21%. Donc lui, il passe juste au-dessus de la limite pour pouvoir disputer les courses. On va le marcher, on va pas traîner là cet après-midi là parce que là les chevaux, la plus basse sont pleins. La première mère, Lagouate du Barbe, qui n'est pas bretonne, contrairement à ce que son nom semble indiquer, a été bonne. Elle a gagné le Grand National à 50% à Toulouse, tandis que la pluie redouble. Ah bah la piste, elle va être bonne demain à Tarbes, ça c'est sûr. Et elle a gagné le Grand National à 50% à Toulouse et le prix de l'élevage anglo-arabe à Toulouse. Donc une jument classique qui a été également deuxième de l'Omnium, deuxième du Grand Prix d'Aquitaine, qui a gagné le Grand National à 50% à Toulouse l'année d'après. Et c'est la famille, la mère Lagouate du Barbe, c'est la souche de Gnome. Gnome dont on a parlé tout à l'heure, un étalon confirmé qui fait toujours la monte actuellement. Oui, c'est un peu humide effectivement. Donc la souche de Gnome. Alors Gnome, on l'a vu tout à l'heure, il est bai. Voilà, donc on va enchaîner assez rapidement parce que là la pluie bat son plein, comme vous pouvez le constater. C'est dantesque! Ah, Tarbes la douce, Tarbes l'ensoleillé, Tarbes sa piscine, Tarbes son camping, Tarbes ses chevaux, Tarbes son soleil, Tarbes son orage. Alors on va appeler le numéro 13, Zorine. Le numéro 13, Zorine. Élevé par Jean Birabin. Hop là! Alors... Voilà, alors Zorine est un fils de Bernebeau, alzan comme son père, il est vraiment c'est le portrait craché de son père. Et Jean Birabin va rejoindre son cousin qui nous présente ce cheval, Zorine, Bernebeau et Lorine par Dirling. Alors on appelle donc le Dirling. 13, voilà, présenté par l'élevage de monsieur Jean Birabin. Bernebeau est un cheval régulier, solide, qui a produit notamment trop fort, bon AQPS. Pour ce poulain alzan et en 2009. Bernebeau et Lorine par Berling. La mère de ce poulain s'est classée deuxième du Grand Prix d'Aquitaine à Pau, deuxième du Grand Critérium à Mont-de-Marsan. Et elle a notamment produit tant de l'or. Voilà, heureusement, la pluie se calme. C'était ce qu'on appelle un grain breton, célèbre ici en Tarbes. Du Grand Critérium à Mont-de-Marsan de la même année. Voilà, un cheval qui est sur l'œil, un cheval assez tendu, mais un cheval qui a des beaux points de force. Si vous pouvez le marcher. Si vous pouvez le marcher, bonne question. On va vous demander de le marcher tout droit, s'il vous plaît. Tout droit. Merci. Voilà, la pluie s'est calmée, donc on va pouvoir sortir de notre terrier.
Voilà, un joli cheval, la pluie s'est calmée, donc on va demander à son éleveur, à Jean Biraban, de nous parler un petit peu de ce fils de Bernobeau qui s'appelle Zorine. Alors Jean, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce cheval? Ce que je peux dire, c'est que il a eu une très bonne enfance. Il a été très, très facile à élever. Bon, j'ai voulu faire un croisement un peu avec un étalon pur sang. Et je pense que bon, il est assez réussi dans son ensemble. C'est un cheval très très souple qui vient d'être débourré. C'est pour ça peut-être qu'il supporterait un petit peu plus de viande sur les côtes. Mais enfin, il est. Par contre, il est léger dans ses allures. Il se porte bien ce cheval. Oui, c'est un cheval très très facile et qui a au débourrage et au pré-entraînement, il s'est très bien comporté. Voilà, très bien dans son caractère. Vraiment. Il ressemble beaucoup à son père. Oui, c'est le portrait craché de Bernobeau. Exactement. Voilà. La souche maternelle, d'où elle vient? Où est-ce que tu l'as trouvée? Je crois que c'est la souche de Fleur de Corrèze, n'est-ce pas? Que j'avais eu comme jument de course, qui était une superbe jument. Et la mère, là, je l'ai récupérée. Elle est née chez moi, mais c'est Didier Gitlen à qui j'avais filé Fleur de Peau. Donc voilà, j'ai récupéré une sœur de Fleur de Peau et j'ai continué cet élevage-là. Mais la souche est très très bonne. Fleur de Corrèze, c'était une jument extraordinaire qui a battu les AQPS à Peau en plat et qui était très bonne en obstacle aussi. Merci Jean. Voilà pour ce numéro 13, Zorine qui sort du débourrage. Donc ce qui explique qu'effectivement il n'a pas de gras sur les côtes. Mais de toute façon, les chevaux de course, c'est pas gras. Hein. Contrairement à nous, contrairement à leurs propriétaires, les chevaux de course ne sont pas gras. Forcément, heureusement, ils courent plus vite que nous. On va peut-être passer au 14, Cobalt. Cobalt qui est un fils de Soave, de nouveau un fils d'un pur sang. Soave, lui, qui est un sprinter allemand. Soave qui est un étalon qui a fait un décollage assez impressionnant. Il a déjà fait plusieurs black types. Soave qui fait la monte Warad des faunes chez Alain et Émilie Chopard. Alors, le poulain de Soave va arriver, il est alezan comme son père. Oui, le voilà, présenté par Yann de Kersabiet, qui nous a présenté tout à l'heure sous la tempête le numéro 12 Groomy. Voici donc Cobalt par Soave et Golden Ferry, elle-même par Ferryland. Et donc, ce qu'il y a de notable dans cette famille, c'est assez simple. Hein. La mère, Golden Ferry, eh bien, c'est tout simplement, que je me trompe pas, la mère de Gnome. Voilà. Donc, nous avons ici affaire au frère de Gnome, l'excellent Gnome. L'excellent Gnome par Soave. Donc un croisement tout à fait atypique. C'est le premier Soave qu'on voit dans les Anglo-Arabes, je crois, dans le royaume de l'Anglo-Arabie. Premier fils de Soave, frère d'un cheval classique qui s'appelle Gnome. Alors Gnome est né en 93. Golden Ferry, hein, qui a engendré. Golden Ferry, c'est une drôle de poulinière. Elle en a fait des poulains en 95, 13, 15, 16, 18, 19, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2004, 2006. Voilà, voilà. Elle enchaîne vraiment les produits. Et là, on est très curieux de regarder un peu ce poulain de Soave, issu d'un frère d'un classique. Ah, donc frère d'un cheval classique ici, par Soave. Balzan 3, cheval de roi. Voilà le frère de Gnome, de Dancing Ferry, de Le Préchaud ou encore de Red Woman, par Soave. Hmm.
C'est aussi le frère du grand champion en obstacle, hein, Silver Phantom, lauréat du prix de Ginesté à Pau. Et deuxième des nationales des Anglo-Arabes. Voilà, tandis que la pluie commence à retomber. C'était en 2008. Merci. Merci au numéro 14, Cobalt, qui va laisser sa place au numéro 15, Up Voice of Crystal, présenté par Walter Ruberti, rugbyman professionnel. Walter Ruberti, ancien rugbyman professionnel. Vous allez reconnaître tout de suite le modèle du beau bébé quand il va arriver. Voilà, merci donc à Yann de Kerzavier. Voilà, alors Walter Ruberti, c'est le gars qui présente le cheval. Le gars qui est au fait pour être rugbyman aussi, mais nous avons bien affaire à Up Voice de Crystal. Alors Walter, il est installé juste à côté de Pompadour. Chef de clan. Alors chef de clan va passer en vente tout à l'heure, en fait, vente sous pli cacheté. C'est un petit peu dans l'esprit des réclamés, en fait, parce que les domaines de Pompadour et l'IFCE, les Rennes Nationaux, passent plusieurs chevaux en vente, dont une poulinière qui a 23 ans, qui s'appelle Az. Et chef de clan, le père de ce produit, élevé par Bertrand d'Aragon, passe aux ventes sous pli cacheté. Donc pli cacheté, ben, en fait, vous mettez votre offre sous une enveloppe, vous mettez les enveloppes, il faut le faire jusqu'à 16h30. Vous avez le temps de le faire, mettez une enveloppe sous pli cacheté. Donc, et puis ben, après, on ouvre les enveloppes et le plus offrant remporte le cheval. Up of Voice of Crystal, cheval assez léger, moins imposant que le précédent, moins grand. Chef de clan et Crystal de Roche par Ferryland 2. Donc Ferryland, le chef de race de l'Anglo-Arabie, le père notamment de Clan de la Prisme, le père de Merci Tonton, le père de tout ce que vous voulez, mais surtout le père de I-Clan de Molière, vainqueur du Grand Cross de Cran, bien sûr, sous l'entraînement d'Étienne Linders, double vainqueur du Grand Cross de Cran sous l'entraînement d'Étienne Linders et la selle de Christophe Dubourg. Cristal de Roche, la mère était, je ne m'en rappelle pas, je crois qu'elle était bonne, mais je ne vois pas les performances, donc j'ai un doute, donc je me garderai bien de faire quelque chose, mais en tout cas, Cristal de Roche a produit un excellent cheval qui s'appelle Quartz de Roche, par Mangaros, qui a gagné le prix du ministère de l'Agriculture à 50%, l'épreuve qui se déroule demain à Tarbes. Le classique pour les Anglo-Arabes à 50%. Joli cheval, pas imposant de modèle, mais joli cheval. L'expression, il a une très belle tête. Voilà, Yann qui fait le tour du cheval. Merci, merci Walter. Nous arrive de Corrèze, qui nous présentait ce fils de chef de clan. Chef de clan qui nous a été présenté tout à l'heure aux environs de midi et qui sera l'une des attractions de la vente aux enchères qui aura lieu ici même à 17h30. Vente aux enchères des domaines avec quelques-uns des meilleurs. Alors, on attend dans quelques instants le cheval suivant. Il s'appelle Egoa de Bécas. Pendant que Jean-Philippe Thomas nous rappelle qu'à 17h30, nous aurons la vente des domaines. Donc 12 chevaux, je vous en parlais il y a quelques instants. C'est chef de clan notamment, qui sera une des vedettes de cette vente des domaines. C'est un peu la fin d'une histoire, la fin d'un monde, la fin d'un règne. Les rats nationaux. Napoléon, qui a créé, à l'époque de l'Empire, qui a créé les rats nationaux pour faire de la monte, en fait, pour aller faire la guerre, a créé les rats nationaux. Eh bien, les rats nationaux diminuent, s'éteignent petit à petit par le désengagement de l'État dont nous parlait tout à l'heure Jean-Marie Bernachaud, et donc vend des chevaux, et ça fait un peu, c'est vrai mal au cœur de voir Az à 23 ans, un pilier, je veux dire vraiment une souche de base de l'élevage des domaines de Pompadour, passer aux ventes comme ça sous la pluie.
à Tarbes, un sinistre 7 octobre 2011. C'est la fin d'un monde, la fin d'une histoire, mais n'empêche que la mère des chevaux n'étant pas morte, le 16 est non partant et Egoas de B4. Donc nous allons passer au 17 directement et l'actualité chassant l'autre. Vivaldi du Castel. Ah, les quatre saisons. Ici, c'est l'automne puisqu'il pleut. Vivaldi du Castel, une fille de Zamuncho. Nous avons vu beaucoup de produits de Zamuncho. 7, 8, le Rocco des étalons 2010. Zamuncho dans l'enclos arabe. Et nous voyons ici, nous ne le voyons pas parce qu'il n'est pas encore là, mais nous allons avoir dans quelques instants Vivaldi du Castel présenté par Annick Canicas. Volpilière, n'est-ce pas? Facile à prononcer ça. Dans le 33, c'était à la Gironde à Saint-Laurent Médoc. Zaminjo et Isis du Péché, que voilà, à foulée de géant. Isis du Péché, issu de Iris de la Brunie, cheval imposant. Isis du Péché, un ICO 125, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, a été troisième une fois en obstacle à Agen. Et voilà, et nous présente ce numéro 17, oula, un sujet au modèle imposant, le 17 Vivaldi du Castet, fils de Zamuncho. Très beau cheval, ce Vivaldi du Castet, un cheval qui a beaucoup d'expression. Ouais. Ça, c'est vraiment un cheval qui a de l'allure. Ouais, un cheval qui a beaucoup de points de force, hyper bien équilibré, pas de blanc, bonne tête, tête franche, sortie d'encolure, sympa. Un bon dos, épaule, arrière main. Vraiment un cheval qui a une toute première chance de participer. De participer en tout cas dans le trio de l'arrivée des meilleurs 2 ans de ce concours élite parce qu'il a vraiment beaucoup d'allure. C'est pas le plus beau pédigré de la vente, mais c'est un très beau modèle. Ah, les prix de la vente. J'allais dire le pédigré du concours de modèles et allures. Ce n'est pas une vente. Bien sûr qu'il peut arriver, et c'est un peu le but de l'opération, qu'il y ait des ventes à l'amiable. Autour d'un verre de rosé, car on boit du rosé ici. Comme en Anjou. Voilà, un cheval qui force l'admiration du jury, qui en plus d'avoir un très beau modèle se déplace formidablement bien. Ce numéro 17, Vivaldi du Castet. On va essayer de se souvenir de son nom. Un cheval qui toise, au moins un bon 65. Voilà, merci à ce numéro 18, Vivaldi du Castet, qui va laisser sa place à Yoart de Colongue, le numéro 18. Fils d'un étalon fort méconnu qui s'appelle Ilbaritz. Bon, c'est pas ça qui en fait ses principales qualités, mais le principal intérêt de ce numéro 18 qui va arriver, Yoart de Colongue, c'est qu'il est frère de Olzart de Colongue. Olzart de Colongue, on l'a vu ce matin en fin de matinée lors de la présentation des étalons. Olzart de Colongue qui fait la monte donc au haras national de Bessac. Le voilà derrière. Il est donc. C'était vraiment un super cheval de course. Et voici son frère. Donc voici un cheval fort bien né, mis à part son père qui est méconnu. Mais c'est le frère d'un très bon cheval, d'un étalon qu'on a vu tout à l'heure, qui s'appelle Olzart de Colongue. C'est la famille de Frivole du Pécos, hein, sous la troisième mère, Fortuna Brute. Chose qui nous est jamais arrivée malheureusement. Et Florimat par
Alta Pegoiti à Colombes, dans les Hautes-Pyrénées. Un vrai pur sang dans son modèle, ce cheval. Alors, ce poulain prend 57% de sang arabe. Ce poulain est. Le demi-frère du champion Olzart de Cologne, hein, qui vous a été présenté un peu avant midi ici, devenu étalon, grand champion, lauréat de l'Omnium à la Teste, du Grand National à Toulouse, du Ministère à Tarbes, c'était en 2007. Année au cours de laquelle il avait également remporté la PSGC à la Teste. Voilà, Hoyartz de Cologne, hein, le demi-frère d'Olzart de Cologne, par Ulbaritz. C'est également le demi-frère d'Ostich de Cologne, qui avait remporté sur le steeple le prix de Ginesté à Pau. Voilà, un étalon assez méconnu que ce Ulbaritz, fils de Graveron. Alors, Olzart de Cologne était par Faucon Noir, un étalon qui est assez peu apprécié dans le monde de l'anglo-arabie, alors pour des raisons obscures que je n'ai pas tout compris, donc je ne vous expliquerai pas. C'est la facite, une famille qu'on retrouve chez une souche Pecos, hein, puisqu'on en retrouve frivole de Pecos, notamment. Voilà, c'était Hoyartz de Cologne, présenté par l'élevage de M. Altabegoïti. Voilà, nous allons accueillir maintenant un poulain de 2 ans, participant à la catégorie nationale anglo-arabe course, 37,5% et plus. Je ne sais pas si on va récompenser les poulains qui nous ont été précédemment présentés. Alors, tandis que attend en face le lot alors, suivant, on va peut-être. À la fin. Mais par contre, on va sélectionner le premier, c'est bien ça. D'accord, mais par contre. Donc elle fait les totos. Alors je vous explique, enfin en tout cas, en face, il y a les totos, Marilyn, la charmante Marilyn Barbet, la secrétaire de l'ANA, qui est en train de faire la sélection, alors il y a des calculs un peu savants, entre les premiers de la première classe, là, des chevaux qui sont entre le 12. Ah voilà Marilyn, bonjour Marilyn. J'adore. Alors, les calculs, elle est partie avec ou elle les ramène? Ah non, elle part avec. Elle part avec. Alors en attendant, on va accueillir le lot suivant. On ne va pas perdre de temps. On va avancer en direct sur France Cire TV. Voici le numéro 19, Vicdey Pontadour. Annoncé. Eh bien, on accueille ce poulain donc, présenté par le haras de Pontadour, par François-Xavier Maillot. Voilà, Vicdey Pontadour. Pontadour qui, se, le voilà, qui a gagné tout à l'heure avec Brisland Pontadour.
très aisément le concours des foals. Et là, c'est pas du tout la même origine. C'est une origine, en fait, qui vient de Tanu et surtout des Landes. C'est la famille de Cargès des Landes, le phénomène Cargès des Landes que nous avons vu tout à l'heure en tant qu'étalon. C'est un fils de Djébélan Pontadour. Joli cheval. Beaucoup d'expressions. Alors, Djébélan, Vic des Pontadour. Alors, Vic des Pontadour, des bonjour, Vic pour Vic en Bigorre, là où est installé François Maillot avec sa femme Marie qui tient la cravache. Tout un programme. Tandis que le soleil revient, ravir ce vendredi Tarbais. C'est le père Bernard Bois, excuse-moi. Et donc Laurine, la mère, on connaît pas grand chose, qu'est-ce qu'elle a fait de bien? Ouais, alors les pères, ça va, c'est la production. Flamant rose. Il vous manque un peu de rose. Il a été placé. Alors quand j'ai croisé 5 ou 6 ans, je manque pas de rose, désolé. Laurine, c'est lui, alors ça. Et cette demoiselle là, qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Elle est branchée. Ça c'est une fille blanche. Elle est venue à la c'est pas une fille attaquée parce que sur une des clients, bon, il y a des clients. Voilà Vic des Pontadour qui vient de quitter la scène. Vic des Pontadour, tandis que je vois passer les résultats. Alors, on va venir ensemble face à la caméra en attendant que le prochain lot n'arrive et vous allez découvrir en direct et en exclusivité. Bien, alors, le gagnant du concours des 12 ennemis, il n'y avait qu'un seul participant, donc c'est le 11 Comum, donc ça c'est bon. Et ensuite, nous avons. Alors, je vais vous donner les trois premiers. Le troisième dans l'élite à 25%. Le troisième, c'est le 18 Yoritz de Colongue. Le deuxième, c'est le 15 Upvoice de Cristal. Et le premier, sans surprise, c'est le 17 Vivaldi du Castet. La suite. Merci Marlene. Voilà, alors pour le public qui est présent au de cette carrière d'honneur, pas de surprise dans la première épreuve, puisqu'il y avait un seul cheval. Comme Home remporte sa classe, un total de 6,80 points. Et dans l'épreuve réservée au poulain de 25%, eh bien c'est Vivaldi du Castel, numéro 10. Donc voici le vin, c'est Visconti de la Garde qui est arrivé. On le voit légèrement boiteux en arrivant, mais enfin bon, c'est pas bien grave. C'est un très joli cheval par Zamuncho et Onyx de Roche. Donc même s'il n'est pas tout à fait carré, on imagine que ce cheval va quand même obtenir une note assez intéressante, bien qu'il soit légèrement panard à gauche, fils de Zamuncho et Onyx de Roche. Zamuncho, donc on en a beaucoup parlé pour l'instant depuis le début de cette journée. Onyx de Roche elle-même a gagné la poule d'essai à 50% de la test.
Donc, origine très intéressante que celle-ci. Onyx de Roche, la mère était vraiment une jument classique, qui n'est autre que la sœur de Silice de Roche. Alors, Silice de Roche était encore meilleure que Onyx de Roche. Silice de Roche, elle a un indice IAA de 151. Donc, je ne vous donnerai pas les détails parce que j'y comprends pas grand-chose. Mais 151, c'est meilleur que 148. Donc, ce qui signifie que vraiment, là, nous avons un produit d'une superbe souche maternelle, Visconti de la Garde, présenté par Paul Coudert. Alors, ça tombe bien que vous voyiez Paul Coudert. C'est l'homme qui tient le fouet derrière François Louit, son ancien entraîneur. Et Paul Coudert, eh bien, c'est le trésorier du syndicat Anglo-Course. Et c'est l'homme qui écrit la plupart des, enfin une bonne partie des articles présentés dans le site du syndicat Anglo-Course, www.anglocourse.com, tout attaché, Anglo-Course. Attaché donc .com, anglocourse.com, www.anglocourse.com, le site où vous retrouvez toutes les actualités et les annonces, enfin plein d'informations, plein d'études de pédigré, plein d'histoires d'hommes, de chevaux, de passions, présentées donc et écrites par cet homme fondu passionné qui est Paul Coudert, qui a un laboratoire pharmaceutique à Aurillac, la ville dont on ne va pas dire qu'elle est la plus froide de France. Très beau cheval que ce Visconti de la Garde qui a 42,71% d'anglo-arabe. Très présent sur ce rendez-vous des anglo-arabes de course. Voilà, c'est l'élevage de M. Coudert à Aurillac. M. Coudert qui a notamment érigé le mot n'est pas trop fort, hein, cette grande championne actuelle de l'obstacle qui s'appelle Nick Lovin. Dont la jeune sœur a débuté victorieusement récemment à Lyon. Voilà, c'était Visconti de la Garde par Zamoucho, présenté par M. Louis pour l'élevage de M. Coudert. Alors, voici après ce Visconti de la Garde, qui est un beau cheval, puissant en tout cas, beaucoup d'expression. Voici le numéro 21, Aldo Machion, notre héros. Aldo Machion qui a eu cette expression magnifique, ne parle pas avec les communistes, je te l'ai dit déjà, Aldo Machion. Élevé par M. Daniel Lacassagne à Orgébat, ici dans les Hautes-Pyrénées, 45,67% pour ce fils de Donald Duck et Fave Art par Valiant Art Pur Sang. Donc présenté par Daniel Lacassagne de Orgébat dans le 65, donc tout près d'ici. C'est le département où nous sommes, hein, les Pyrénées orientales. Alors, le père, c'est Donald Duck, hein, c'est le frère de Mickey Mouse. Et la mère, c'est Fava Earth par Valiant Earth, un étalon pur sang qui n'a pas du tout marqué son temps, qui était un fils de Matao, qui a fait quelques chevaux convenables dans la région, ici à Pau. C'est la famille de certains bons chevaux, dont Saphir d'eau et Odiris, qui a un indice de 135. Le meilleur de la famille, en tout cas de la famille récente, c'est Farina, un indice de 142. Ah, Aldo, l'aventure, c'est l'aventure. Avec Johnny Hallyday, Lino Ventura.
Voilà, Aldo Macchione qui a donc joué dans ce film mythique, L'aventure, c'est l'aventure. Bien entendu, pas avec Johnny Hallyday, mais bien entendu avec Jacques Brel. Ah, grand Jacques, tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux veux, des yeux bleus, des cheveux fous. Tu n'en connais rien du tout. Bien sûr, Mathieu Riondet, notre nouveau collaborateur, éminent collaborateur, qui est un grand cinéphile et surtout qui a l'oreille fine, hein, spécialiste de System of a Down, de Vivaldi et de Jacques Brel. Donc, nous allons accueillir dans quelques instants le numéro 22. Bah tiens, ça tombe bien, musicien céleste. Alors, musicien céleste, c'est le frère d'Arco Céleste, qui a une particularité, Arco Céleste, qui a fini dernier de ce classement l'année dernière. C'est le dernier. Il était nul, il était dernier, il était mal classé. Et pourtant, Arco Céleste a été, avant malheureusement qu'il ait subi une tendinite, le meilleur 3 ans de sa génération cette année. Et pourtant, il était dernier, loin dernier de ce classement, comme quoi le disait Jésus-Christ, les derniers seront les premiers. Musicien céleste, donc issu de Dan Music et Harmonie Céleste, présenté par un vétérinaire, le docteur Patrick Saint-Martin, qui est le frère caché d'Yves Saint-Martin, bien entendu, qui est né, lui, à Agen. Et Harmonie Céleste, alors c'est la souche, une souche des domaines de Pompadour. On a vu tout à l'heure, passer entre deux, là, les 12 chevaux du domaine de Tarbes qui vont passer aux ventes, comme je vous ai parlé tout à l'heure, un peu la fin d'un monde, la fin d'une histoire. Une page se tourne. Donc la souche de Haas, Harmonie Céleste, héritable, Héliosphère, une des meilleures juments de cette année, Héliosphère, l'excellente Héliosphère entraînée par Thierry Delorière. Haza, très bon étalon. Et donc Patrick Saint-Martin, dont malheureusement nous ne voyons pas la remarquable fille ici, Alexandra, qui est pourtant née ici. Donc docteur Patrick Saint-Martin qui a racheté par le truchement de Martial Boisseuil cette Harmonie Céleste, la mère de ce musicien céleste, qui n'est pas un cheval très élégant. Je pense qu'il n'aura pas une très bonne note. Vous voyez que c'est un cheval qui est assez haut sur jambes. Il a de l'air sous le ventre, comme on dit. Un cheval assez osseux, qui manque de masse musculaire, qui n'est pas très épais dans son avant-main, et qui est, j'aperçois la magnifique, la sublime, la splendide, la radieuse, la rayonnante Alexandra Saint-Martin, qui travaille pour notre bonheur à tous à Arcana. Donc c'est un cheval qui n'est pas très joli dans son physique, dans son modèle, donc il ne sera pas classé, mais peut-être fera-t-il aussi bien, voire mieux, que son aîné Arco Céleste, qui a terminé dernier décollé de ce classement l'an dernier. Ça ne l'a pas empêché de devenir le meilleur 3 ans de sa génération. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous ne le verrons malheureusement pas demain dans le prix du ministère, car il a subi une tendinite. Musicien céleste est un fils de Dan Music avec une mère par Fairyland. Secrétaire de l'association des éleveurs d'AQQS de l'Ouest. Musicien céleste, présenté par le docteur Saint-Martin, demi-frère d'héritière céleste, peintre céleste et autres, région céleste par Dan Music. Alors là, nous avons le 23, c'est le dernier. Sur la carrière de notre prochain poulain. Je voudrais vous rappeler que vous avez le 23, donc le hop. Le 23 est le dernier lot de cette série d'anglo-arabes à plus de 37,5%, un truc comme ça. Volcano Manjoulet, drôle de nom, à 57,81%. Il est élevé par Nicole Plan dans le 31. Le 31, c'est le département très connu, le département du 31, à Poucharamet. Et c'est un fils de Donald Duck, donc un neveu de Mickey Mouse, et Jaffa de Melz, elle-même par Mangaros. Trêve de plaisanterie, c'est la souche d'un nombre important de bons chevaux. Donc, il n'est pas là. Est-ce qu'il est absent par hasard, le 23? Alors, le numéro 23 est-il là? C'est la question que tout le monde se pose. Volcano Manjoulet. Volcano Manjoulet.
Voilà, s'il ne se présente pas, on va vous communiquer dans quelques instants le classement de l'épreuve. Et puis on passera aux femelles. Oui ou non? Est-ce que le numéro 23 est présent en coupe? Alors, il y a des signes qui font ça. C'est comme les bookmakers. C'est oui, c'est bon, c'est non, c'est oui. Oui, le 23... Eh bien, ce sera oui, le 23 arrive à grande foulée, le sous le soleil qui réapparaît sur Strasbourg, oui, c'est ça, oui, c'est à Tarbes ici. Donc, Nicole Plan, pas du tout, c'est Sophie de Courval ici, là qu'on voit, avec sous le chapeau Patrick Davzac, qui souffre du soleil. Ben, c'est le 23, ça. Marie Patrick pour Laura du Pecos, la première pouliche de 2 ans a foulé la piste de cette carrière. Attendez, attendez. Attendez. Alors, là, c'est le 23, pardon, autant pour moi. Ah oui, donc tu présentes pour Nicole? Ah, c'est à toi, d'accord. Ah d'accord, ils l'ont racheté en fait, voilà, le secret de l'histoire, le fin fond. Vous saurez tout en direct sur Francia TV. Sophie de Courval et Patrick Davzac ont acheté Volcano Manjoulet, qu'ils nous présentent ici le numéro 23, fils de Donald Duck et Jaffa de Mels par Mangaros. Je suis hyper impressionnant son modèle, soyons clairs. Volcano Manjoulet qui nous rejoint. Donc élevé par Nicole Plan, présenté par Sophie, il y aura du Pecos. Ce poulain est un fils de Donald Duck et Jaffa de Mels par Mangarose. Poulinière qui a été deuxième de la poule d'essai à la test et qui a engendré de nombreux gagnants. Donc, Sophie, au pas, on va le présenter au pas. Donc un poulain hyper impressionnant dans sa masse musculaire, dans sa force, très imposant, qui en revanche un genou hop là. Voilà, très beau. Alors le dernier lot va peut-être changer des choses au classement parce qu'il est arrivé le dernier, mais vraiment il impressionne. Superbe cheval car il a comme petit défaut d'être quand même quelque peu encellé derrière son garrot. Vous voyez, si on fait la ligne du dos, si on poursuit bien la ligne du dos, on va faire un plan serré. Regardez, on va partir de l'encolure, allez, là, voilà. Et puis là, on va descendre un peu l'encolure. Et vous voyez que là, il y a comme un creux derrière le garrot. Et normalement, ben, le creux ne devrait pas être si creux. Bon, voilà. Bon, on en connaît des chevaux encellés qui gagnent des courses, ça c'est pas le problème, mais sauf que dans un concours de modèles et allures, évidemment, c'est quelque peu problématique. Mis à part ça, c'est un cheval qui est hyper impressionnant, qui a une force physique. Merci à Sophie de nous présenter Volcano Manjoulet. Dernier poulain de 2 ans. Mal. Vous êtes présenté ici. Alors, on va suivre la suite des opérations, là, si j'ai bien compris. Dans quelques instants, le classement. Qu'est-ce qu'on va faire là? Alors, on va remettre les prix des mâles. Alain Jam, donc un personnage important dans le Sud-Ouest, puisqu'il dirige pas mal de choses ici, notamment les travaux de Tarbes. Tiens, en attendant les prix des mâles, on va parler un petit peu des travaux de Tarbes. Qu'est-ce qui va se passer sur ce site? Des travaux de Tarbes?
Ah oui, on a un projet de site. J'étais dans l'anglo, alors j'étais pas du tout. On a un projet de site assez ambitieux, c'est-à-dire on prévoit ici d'installer une écurie d'attelage de haut niveau. Donc on refait une écurie pour héberger les chevaux qui viennent. On refait une grande carrière de 100 mètres par 50 tout terrain en bas derrière le terrain de concours pour développer les animations, le sport, les concours, toutes ces choses-là. Donc on a, cette année, on a investi 300 000 euros sur le site. On va en réinvestir autant l'année prochaine avec la participation du Conseil Général et de la mairie. Pourquoi aller sur l'attelage ? Il y a un problème en France ou quoi ? Il y a un problème en France, oui. C'est-à-dire une des missions de l'IFCE, c'est d'aider au développement du haut niveau et aux résultats au haut niveau. Il s'avère qu'ici, on avait une opportunité puisqu'il y a déjà un attelage sponsorisé par le Conseil Général avec Bousquet, l'attelage de Bousquet avec des Anglo-Arabes. Benjamin Alliot a souhaité s'associer avec lui et monter une écurie de haut niveau sur le site. Donc on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. L'objectif, c'est les championnats du monde en 2014. Y a-t-il un rôle particulier pour l'anglo-arabe, puisque là on est dans le cœur de l'anglo-arabe, sur l'attelage, ou c'est pas trop son sport ? C'est plus des Trakanen ou des KPMG ? Non, ça c'est une boîte de KWPN, ouais, c'est pas tout à fait pareil. Dans le désordre, oui. Non, Bon, l'anglo-arabe fait de l'attelage, mais je ne suis pas convaincu que ce soit pour le haut niveau, ce soit sa vocation particulière. Il est certain que pour l'attelage d'aujourd'hui et pour le haut niveau, il faut des chevaux avec beaucoup d'allure. Et il faut des chevaux avec beaucoup de force dans le timon et beaucoup d'allure devant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les chevaux hollandais dominent un petit peu la discipline à ce niveau-là. Oui. Et c'est peut-être vers là qu'on sera obligé d'aller. On va essayer de trouver en France d'abord. L'idée, c'est quoi ? C'est de décrocher des médailles ? L'idée, c'est de décrocher des médailles, d'améliorer nos résultats au niveau. Et en attelage, effectivement, travailler avec l'entraîneur national, Jacques Tamalé, et avec Laurent Elias, qui est chargé du haut niveau, pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté, avec des bons chevaux, des bons équipiers et des bons drivers. Merci Alain. Merci Alain Jam, qui nous a expliqué. Et tandis qu'on vient d'apercevoir, hop là, Marilyn, qui va nous montrer les résultats des mâles de 2 ans à 37,5. Donc le cinquième s'appelle Aldo. Aldo Machon ne lui a pas réussi. Le quatrième, c'est Musicien Céleste, donc le 21, et le 22 est le quatrième. Le 23, c'est Volcano Manjoulet. Alors, juste là, un petit coup d'œil, là, c'est comme Home. Mais lui, bah, il a gagné, il était tout seul. Hop là, j'ai pas fini le premier. Il est là. Et donc, voilà, tandis qu'on aperçoit le numéro 11, je tiens à vous dire que le troisième, c'est le 23, Volcano Manjoulet. Le deuxième, c'est le 19, Vigdet Pontadour. Et le premier, c'est le numéro 20, Viscano de la Garde. Visconti de la Garde. Paul Couder, bravo à lui. On va l'accueillir. Merci Marilyn. Hop, c'était pas les femelles. Non, ça voilà. Alors, pendant ce temps-là, on accueille le numéro 11 qui, lui, a gagné son concurrence puisqu'il était les seuls de sa catégorie. Fils de Lando, une vraie rareté hein, dans le monde de l'anglo-arabie. Alors un des juges va remettre son prix au numéro 11. Voilà. Soutenu par le président de l'ANA, Jean-Marie Bernachaud, n'est-ce pas ? Qui a l'épaule forte. Le docteur Guigas. Que voilà, donc Jean-Marie Bernachaud, c'est le monsieur qui, avec la cravate bleue, le président de l'ANA, l'Association nationale des Anglo-Arabes. Et cette superbe blonde qui la rejoint, je ne sais pas qui c'est, elle va se retourner, nous allons la découvrir avec le plus grand ravissement. Qui est-ce ? Donc ce numéro 11 est un fils de Lando, donc Come Home, une particularité vraiment. On est très curieux de voir ce que va donner un fils de Lando dans les courses d'anglo-arabes. Donc ce sera l'année prochaine et peut-être qu'on le retrouvera, ce poulain assez imposant, on l'espère pour lui, en tout cas lors de la réunion des ministères l'année prochaine. Photo-souvenir avec monsieur Bernachaud, monsieur Guigas. Merci au numéro 11. Et donc là, on va accueillir les vainqueurs. On va accueillir Vivaldi du Castel, le numéro 17, qui a gagné la classe élite à 25%.
Oui, effectivement, car tout à l'heure, je vous ai donné le résultat des 37 ennemis, mais maintenant, il faut que je vous donne aussi le classement. Le classement des mâles de 2 ans à 25%. Alors, le classement, le 6e, c'est Groumi. Le 6e, c'est Groumi, donc qui portait le numéro 12. Hop, attention, on va baisser la tête pour passer en dessous de la caméra. Le 5e, c'est Cobalt, fils de Soave et Golden Fairy, le frère de Gnome. Le 4e, c'est le 13, Zorin. Le 3e, c'est le 18, Yoartz de Colong. Le 2e, c'est le 15, Up Voice de Crystal. Et le 1er, on l'avait bien vu, on l'avait repéré, c'est le 17, Vivaldi du Castet, qui est derrière moi. C'est Yann Poirier, juge, secrétaire de l'association des éleveurs d'AQPS dans l'Ouest, président également de l'association des dévoreurs et des pré-entraîneurs. Donc là, on va aller faire une petite photo. Yann Poirier qui a accompagné de Jean-Marie Bernachaud récompense l'entourage de appartenant à Monsieur Philippe Giraud qui édite le. Hop, on... d'accord. Bon, ça traîne pas, Yann. Pourquoi ce cheval, le 17 a été, pourquoi le 17 a été classé premier de cette catégorie de 25% d'anglo arabe concours élite? On a vu beaucoup de chevaux différents avec des défauts plus ou moins bien placés. Celui-là, c'était le cheval qui était le plus harmonieux, avec le moins de défauts. Un beau poulain avec du cadre, voilà, qui était élégant. On a vu un beau poulain, notamment le dernier, qui avait un gros défaut dans son dos. C'est dommage parce qu'il avait une locomotion qui était très bonne, avec beaucoup de points de force. Malheureusement, un défaut majeur et qui nous a... C'était dans celui-là, 37,5. Il va arriver dans le deuxième classement. Les Anglo-Arabes, c'est précis. Hein. Mais il est troisième des 37,5. Là, on est dans les 25. Et là, on arrive au gagnant des 37,5, justement. Tiens, alors voilà. Non, c'est le troisième, celui-là. Bon, peu importe. Comment il est, ce cheval? Alors, comment on va expliquer sur le défaut qu'il a dans son dos? À part, parce que ça, c'est un superbe poulain. Ah non, c'est pas celui-là. Non, ça c'est le gagnant des 37,5. Celui-là, il est parfait. Pourquoi il est parfait? Parce qu'il est parfait, sans doute. Voilà, tout simplement. Non, c'est un poulain qui rentre bien dans son cadre. Il n'a pas de défaut ni dans son dos, ni dans ses aplombs. C'est un poulain élégant, très, très bien équilibré, avec une bonne ligne de dos. On le voit très, très fier quand il se pose. Voilà, un poulain carré, les points de force parfaits. Non, rien à dire. Voilà, un fils de Onyx de Roche. Merci Yann. Un fils de Onyx de Roche, par Zamuncho, qui s'appelle Visconti de Lagarde. Visconti de Lagarde. Voilà, et après qu'il ait reçu son prix, on va demander à Paul Coudert. Vous le lisez et vous allez bientôt l'entendre. On va se mettre face aux caméras. On va se mettre face aux caméras, messieurs. Voilà. Hop. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Yann, attention. Hop, qu'on voit bien les chevaux. Tes oreilles, bonhomme. Fais un effort. Voilà. Alors, Paul. On a récompensé les premiers de chaque classe. Donc, les premiers de chaque classe, je vous invite à rester de côté parce que tout à l'heure. Alors, Paul, on va se rapprocher. Donc là, on a vu les trois premiers des trois catégories d'anglo. On vient de voir ton cheval, Paul Coudert, c'est l'homme qui signe la plupart, une bonne partie des papiers, des articles du syndicat anglo-course. Paul, je suppose qu'on doit être assez fier de gagner ce concours élite, Visconti. Oui, et je voudrais associer mon frère Philippe. Qui est absent aujourd'hui, mais qui les soigne tous les jours. Donc on forme une bonne équipe, on essaye de faire du très bon travail. Voilà, on est bien content.
Bah, j'imagine. Alors, un petit mot sur la souche de Visconti, la famille Onyx de Roche. Le père, c'est Zamuncho. Donc, par le père, Zamuncho, on ne le présente plus. Par contre, la mère, Onyx de Roche, la grand-mère, c'est Opal de Roche, qui avait couru 12 fois et 12 victoires. Ah, elle est toute bonne, alors, oui. Très, très bonne de souche. Une très bonne souche basse. Spécialiste des souches basses, Paul Coudert. Merci. Merci. Et je vous signale, j'en profite pour vous signaler que la semaine prochaine, le 15 octobre, vous allez découvrir la nouvelle forme du sein du site internet du syndicat Anglo Course avec le suivi de toutes les courses, et dans un mois ce sera le suivi de l'élevage. Surprise, non? Mais écoutez, ça fait un an qu'on collabore, je pense qu'on fait du bon travail. On essaye de renouveler les articles sur le site Anglo Course pour inciter les gens à y aller régulièrement. Donc on a une bonne coopération avec Arnaud, je crois qu'il faut continuer comme ça. Ce n'est qu'un début, nous allons continuer le combat. Merci Paul et bravo. Allez, on voit ici Walter Roberti, notre rugbyman, qui nous présente Voice-up de Roche, si ma mémoire est bonne, voilà. Voice-up de Roche, Up Voice, pardon, de Roche, qui est deuxième de la catégorie des 25%. Je vous rappelle que les trois premiers de, les premiers de chaque, des, chacune des trois catégories vont rester présents pas loin pour participer au grand affrontement final des mâles. Voici le Bernebeau, là, il est très sympa ce poulain par Bernebeau, très cheval de course. Voilà, le Bernebeau, il a terminé. Pour la deuxième place, l'accessible honneur emporté par Voice of Cristal. Le Bernebeau, il s'appelle Zorin, ce cheval-là, le 13 Zorin. Il a terminé quatrième du classement des 25%. Félicité par M. Bernachaud et Jeanne. Ils vont maintenant récompenser Zorin de l'élevage Viraben. Quatrième de cette place. Voilà, le Bernebeau, un cheval qui a beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie. Alors celui-là, Zorin, c'est le 13. Voilà, Zorin, c'est le 13. C'est quatrième de sa catégorie. Ce Bernachaud va récompenser le présentateur. Le Bernachaud, président, hein, je vous rappelle, de l'ANA. Donc le numéro 13, Zorin, qui est récompensé ici, qui a terminé quatrième de sa section. Alors je pense qu'on est entre personnes qui connaissent bien les Anglos, entre professionnels, mais si jamais il y a quelques spectateurs hein, qui se cachent parmi vous, quelques néophytes, sachez que vous avez un annuaire avec toutes les bonnes adresses, les élevages français, hein, un annuaire qui est à votre disposition, l'annuaire de l'ANA à votre disposition, sous la porte de l'Ordre des Haras Nationaux. Dans quelques instants, on va accueillir peut-être Boyart de Colongue, Cobalt et Groumi. Et il y a aussi la suite des remises de prix. Alors, Groumi qui va arriver. Non, Yorat de Colongue. J'aime bien ce poulain. Mais c'est le numéro 18. 1-8. 18. Funfun. Non, en allemand, je ne la fais pas. En allemand, tout ce que je sais dire, c'est 99 ballons rouges. Non, non, si, schlup, ballons. Hein, quand on fumait des pétards avec des bières, c'était la belle époque, ça. Hein. Boyart de Colongue. Le demi-frère du champion Holzart de Colongue. Présenté ici même. Voilà, le demi-frère de Holzart de Colongue. Par Ilbiaritz, c'est le numéro 18. Et il vient d'être récompensé par Christian Bello. Tiens, un petit mot avec Christian. Ah, tiens, Christian Bello, il va venir avec nous. Il va venir avec nous tout de suite. Christian Bello, c'est le président du syndicat Anglo-Course. Voilà, alors Christian, hop, la caméra est là. Christian, c'est un moment important que ce concours élite est encore, peut-être encore plus important. Enfin, en tout cas, c'est la suite logique. Demain, les courses à Tarbes. Quelques petits mots. Oui, ça précède les courses à Tarbes, puisque les beaux spécimens que nous voyons aujourd'hui, nous allons les voir l'année prochaine, j'espère, dans les grands classiques que sont les ministères pour les 12,5 et plus et les 37 et plus, et les grands prix des pouliches, même catégorie. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On espère, on a vraiment les espoirs de l'année prochaine, mais aussi quelles sont les perspectives d'élevage de l'anglo-arabe? C'est toujours une question qu'on se pose, le nombre de juments, le nombre d'étalons, c'est un peu la base de l'élevage, où ça en est et qu'est-ce que ça va devenir? Bon, les anglos, il n'y a pas de problème, puisque nous sommes en progression. La jumenterie se tourne en course autour de 500 à 600
poulinières. L'élevage se porte bien, les courses, je crois, également, puisque nous améliorons chaque année le programme. La question est la suivante. Un nombre d'étalons qui doit être une dizaine ou une quinzaine, pour l'instant supporté beaucoup par les rats nationaux, historiquement, qu'est-ce que ça va devenir avec le désengagement des rats nationaux? Soyons clairs. Va-t-on trouver des privés pour investir et entretenir des étalons anglo-arabes? Il n'y a pas de raison, ça va bien fonctionner. D'ailleurs, moi, je suis partisan pour aller directement dans le privé, comme l'ont fait les pur sang, et nous n'aurons aucun problème si les étalons sont de qualité. Et après, l'élevage suivra. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je ne suis pas du tout inquiet, mais je ne crois pas beaucoup, par contre, à la cession des haras au profit d'associations comme Anglo-Course, parce que nous ne sommes pas faits pour ça. Il y a des étalons liés le privé, et les bons étalons anglo-arabes, croyez-moi, ils auront leur place et ils travailleront. Merci Christian, effectivement, chacun son boulot. Et voici le lot suivant, qui est le numéro Cobalt, le numéro 14. Le numéro 14, voilà, qui a terminé 5e. C'est un fils de Soave. Voilà, récompensé par M. Alain Jam, directeur territorial. Alors, c'est le phare de Gnome. Ici, dans le sud-est. Voilà, merci Yann. On va maintenant récompenser Groumi, le numéro 12. Alors ensuite, ce sera le 12, Groumi, fils de Green Groom, qui a terminé 6e de sa section. Voilà, Groumi. Présenté également par Yann de Kerzabiek. Par Green Room et la boîte du parc. Voilà. Bravo. C'était déjà une victoire d'être au départ. Voilà. Christian Bello, président du syndicat Anglo-Course, Jean-Marie Bernachaud, président de l'ANA, récompense. Groumi, pas Green Groom. Je crois que maintenant nous vont récompenser ceux qui ont été. Alors, on n'a pas récompensé les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes des 37,5%. Il faut qu'on les récompense avant d'accueillir les trois vainqueurs pour divulguer qui sera le champion suprême. Alors, on appelle Victet Pontadour, le 19, classé deuxième de la catégorie élite, 37,5%. Si François-Xavier Maillot nous entend, Victet Pontadour, le 19, est attendu dans la foulée. On attendra Volcano Mainjoulet, le 23, Musicien Céleste, le 22, et Aldo le 21. Voilà, numéro 19, Victet Pontadour, par Jebel Pontadour et Tamara par Dan Music, classé deuxième. Donc voici un Pontadour. Pontadour, c'est le cheval. Alors, je vais vous donner son numéro. Ça va aider Chérie Lily. C'est le 19, Victet Pontadour. Le 19, Victet Pontadour, qui a terminé deuxième de la section des mâles à 37,5%. Donc, pour vous préciser, là, on voit les placer parce qu'en fait, on a récompensé les premiers, les vainqueurs en premier, de façon à les garder de côté, de façon à faire le grand affrontement des mâles. Notamment. Toujours utile et apprécié. Voilà, bravo à Victet Pontadour. On attend maintenant Volcano Mainjoulet, le numéro 23, classé 3e. Alors, tous ces chevaux qui sont présentés dans cette carrière d'honneur sont pris en photo par notre ami Robert Paulin. Il y a un diaporama. Voilà le 23, magnifique cheval, mais qui avait son défaut, et c'est ça qui a fait qu'il n'a pas gagné son concours, c'est qu'il est encellé, légèrement encellé, mais encellé quand même. Donc Volcano Mainjoulet, qui est le numéro 23, 2-3,
Volcano Montjoulet, donc, qui a été acheté par Sophie Le Courval et Patrick Zavzak et qui termine ici troisième de sa catégorie. Voilà, Patrick Zavzak qui prend les cadeaux. Sa femme qui travaille lui prend les cadeaux. C'est un bon partage des tâches. Sympa comme boulot. Alors, musicien céleste présenté par le docteur. Monsieur le docteur Patrick Saint-Martin, vétérinaire de son état, installé juste à côté ici de Tarbes. Musicien céleste est le frère de Arco Céleste, le frère cadet d'Arco Céleste. Quatrième. Hop là, la bête là, oh! La bête est fougueuse, donc voilà musicien céleste qui vient de passer. Et il nous reste Aldo. Voilà, c'était le frère d'héritière céleste, rayon céleste, peintre céleste. Il ne reste plus qu'un cheval à féliciter, c'est Aldo, le numéro 21, classé 5e, présenté par Daniel Lacassagne. Voilà Aldo, donc il jouait dans l'aventure c'est l'aventure et c'était bien l'enlèvement, le faux dans l'histoire du faux enlèvement de Jacques Brel, de Johnny Hallyday, je vais y arriver décidément, et non pas de Jacques Brel. Voilà, on a de la culture ou on n'en a pas. Culture pop hein, un peu évidemment. Hein. Si vous me demandez ce qu'en pensait Kant ou Spinoza de la situation, je pourrais moins vous répondre. Donc voilà Aldo. Un mâle qui n'a pas une très bonne note, 6. Je suis un peu lourd comme ça dans son modèle. Récompensé par messieurs Bernachaud et Jam. Voilà, il ne nous reste plus qu'à appeler maintenant les trois vainqueurs. Alors, de ces trois catégories réservées aux alors. Donc les trois vainqueurs, il va y avoir le championnat suprême des deux ans mâles. Donc le 11 comme home, champion des chevaux des 12 et demi, mais il n'y avait qu'un seul. Ensuite, ce sera le 11. Ensuite, il y aura le 17, Vivaldi du Castet, qui est le champion des 25%. Et le champion des 37%, qui est le 20. Donc on attend le 11. Bon, pour l'instant... Ils ne sont pas tout à fait arrivés, donc je vais aller voir s'ils arrivent. Voilà. Je vous rappelle qu'après avoir élu le champion suprême mâle... Donc voici le 17. Voici le 17 ici, c'est... Attention. Ici c'est Vivaldi du Castet, le 17 qui arrive. Vivaldi du Castet, donc c'est voilà le 17 qui a gagné lui le concours des 25%. Voilà, cheval un peu sur l'œil, qui regarde bien. Très joli cheval, présenté par Philippe Giraud, l'éditeur du guide Anglo-Course. Voilà le 17. Voilà, le 20 arrive, Paul. D'accord, le 20 arrive. Ça tombe bien que les verres ne soient surtout pas vides. D'accord, marchez pas trop sur le fil. Parce que là, c'est... Non, il faut pas marcher sur le fil. Sinon, là... Voilà. Sinon, la retransmission risque d'en souffrir quelque peu, n'est-ce pas? Alors, le 20 arrive, c'est donc Visconti de la Garde. Et il sera accompagné du numéro 11, qui s'appelle Come Home. Tous les trois ayant gagné leur catégorie de mâle de 2 ans.
et on va savoir qui va être donc le champion, qui sera le champion suprême des... Le champion suprême de ce concours élite, le concours élite de Tarbes 2011, et qui peut-être, espérons-le pour lui, va participer à la réunion du ministère, des ministères, qui se dispute demain sur l'hippodrome de Tarbes, tout près d'ici, sur l'hippodrome de Laloubert. Alors, on attend donc le numéro 20, toujours, Visconti de la Garde, et le numéro 11. On les attend avec la plus grande impatience. Il y a un rythme assez imposant, là, pour ce, assez élevé en tout cas, pour ce concours. Le lot le plus fourni sera le lot suivant, puisqu'il y a une petite, une bonne quinzaine de lots pour les femelles. Il y a un lot beaucoup plus fourni pour les femelles que pour les mâles. On en finit au numéro 43. En commençant au numéro 32. Enfin non, il y a une douzaine de chevaux. Donc, on attend toujours. On attend toujours le 20 et le 11. Je ne sais pas où ils sont partis. On va attendre encore quelques instants, quelques minutes, non même pas quelques secondes peut-être. Là pour l'instant ce sont les, le rappel des mâles, le championnat des mâles. Et on attend, oui oui encore, n'est-ce pas Michel, un homme impatient, un homme, de la, un homme d'action. Michel. On attend impatiemment de passer avec sa femelle. Il porte le numéro, le numéro 30. Nous la verrons tout à l'heure puisqu'arrive enfin le tant attendu Visconti de la Garde. Ah, s'il a fallu tout lui refaire, tous les petites les choupettes qu'il a sur l'encolure, effectivement ça a pris un peu de temps. Marche pas sur le fil Michel, sinon ça va couper la, ça va couper la transmission, dit. Voilà, on attend Visconti de la Garde et Comme Home, tandis que je vais me rapprocher du ring. J'étais parti un peu loin pour savoir où ils étaient. Voilà, j'étais parti peut-être un peu loin, on ne m'entendait plus. Ah, voilà. Le voilà, Visconti de la Garde, il va arriver. Il va arriver dans le fond. Le voilà, on vous attend. Le voilà. Deux produits de Zamuncho. On répond dans quelques instants. Je crois que le numéro 11, Comme Home, est forfait. Voilà, deux produits de Zamuncho. Nous avons deux produits de Zamuncho qui se présentent devant nous. Visconti de la Garde, le 20 et le 17. Alors le 20, c'est le cheval Bébrin, avec les petites choupettes sur l'encolure. Et le 17, c'est le cheval Bé avec la magnifique latte qui l'accompagne. Facile à reconnaître.
Donc là, les juges qui ont jugé pour l'instant tous les lots précédents, donc les mâles, sont en train de se concerter pour savoir qui est le champion suprême. Donc le juge, un troisième juge s'il vous plaît, qui est attendu, non ? Cher docteur. Voilà, parce qu'il faut un troisième juge, parce qu'il y a des fois qu'il comptait, il n'y a pas désaccord entre les deux, il y a un troisième qui... Voilà, au jury, le docteur Bigas, éleveur en Suisse. Voilà, éleveur en Suisse, le Suisse est là un peu lent, hein. C'est pour ça qu'il a dû mis du temps à se lever de son siège. Alors, donc, la lutte qui s'engage entre le 17, dont je vous rappelle qu'il est le baie normal, le couleur normale, et le 20 qui a la robe noire. D'ébène. Je vous rappelle que ces présentations sont diffusées en direct. Donc le premier est, nous allons découvrir en direct qui est le premier. Et c'est et là Alain Jam qui va nous dire qui est le premier, c'est le fils de Zamuncho. Oui, mais les deux sont fils de Zamuncho. Et c'est donc qui? Le numéro 17. Le numéro 17. Donc c'est lui, le numéro 17 qu'on va demander. Merci Alain. Merci Alain. Le numéro 17, c'est lui. Bravo, on le félicite, on l'applaudit. Le numéro 17 qui va venir face à la caméra. Le voilà. Venez, 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 venez. Le voilà. Voilà le numéro 17. Voici, hop là, merci. Voici le champion suprême. Vous pouvez reculer un petit peu pour laisser un peu... Attention. Voilà, on va faire toutes les photos. C'est The Champion. We are the champion. Voilà. Attention, pas devant la caméra s'il vous plaît monsieur. Allô, allô. Il y a une caméra derrière vous, faites attention, ça mord. Hein. Champion suprême 2011 ici à Tarbes de ses rencontres hors de course. Hugo Poulain de 2 ans. Catégorie 25%. Propriété de monsieur Philippe Giraud. Il est un petit peu en dessous, voilà. Il est un petit peu en dessous de lui, mais enfin bon. Vivaldi du Casté par Zamuncho. Là, il va être mieux. Là il est mieux. Revenez la tête. Par Iris de la Bruni. Là, bonhomme. Voilà, photo souvenir et photo professionnelle avec Vivaldi du Casté. J'ai l'œil. Voilà, le prix est remis actuellement à monsieur Philippe Giraud qui est donc l'éditeur. Attention, monsieur Bello, attention. Hop là. Alors Philippe qui va venir nous rejoindre. Voilà, le grand vainqueur. Philippe Giraud, c'est le cheval, oui. Le cheval est plus beau que vous ou pas? Sûrement, il est plus jeune surtout. Plus d'énergie, plus de fougue. Bon, merci Philippe, trêve de plaisanterie. Éditeur du guide du syndicat Anglo-Course, c'est quelque chose d'important? C'est notre métier. On se fait plaisir avec les shows de course, mais dans la vie professionnelle, effectivement, on est une agence de publicité d'édition. Dans la vraie vie, quoi. C'est la raison pour laquelle on édite le guide Anglo-Course depuis plusieurs années. Et cavalier et mérite par ailleurs. J'ai décavalé le concours épique de complet, un petit peu en course aussi, voilà, oui. Et puis maintenant, c'est installé dans une propriété privée, permis d'entraîner, où on essaie de s'amuser avec quelques chevaux. Quelques mots sur ce champion, Vivaldi du Castel, le 17. Alors, la mère est une jument anglo-arabe que j'avais achetée il y a quelques années, qui était entraînée par Didier Soubagnier, qui a gagné en plat et en steep, qui est née dans le Cantal, chez Monsieur Magne, qui était une assez bonne souche. Parce que j'ai eu la sœur, l'Ifka du Péché, qui était bonne. Et c'est des juments maintenant qui sont poulinières, qui produisent bien. Et là, on l'a donné à Zamuncho, parce que c'est une jument qui a beaucoup de gabarit. On pensait faire un cheval pas trop grand. Et là, on a un cheval de bonne taille, qui est bien proportionné. J'espère qu'il va. Je veux pas qu'il grandisse trop non plus, parce que je préfère des chevaux de taille moyenne. Et pour l'instant, il se présente bien. Il a été débourré. On a commencé à le mettre au travail tout doucement. Petit galop de chasse, trotting, galop de chasse. Et on va y aller tout doucement, parce que c'est un cheval quand même qui est assez lourd. Et qui devrait progresser pendant l'hiver, et puis on le courra peut-être pas tout de suite, on va le débuter sûrement un petit peu tardivement. Quoi. Merci Philippe, merci et bravo encore pour ce succès. Nous allons accueillir désormais les femelles qui sont là derrière nous, et on va pouvoir faire venir les femelles. Alors François Louis et Paul Couner nous ont quittés en étant en deuxième juste précédemment avec le numéro 20, et reviennent immédiatement en scène avec le numéro
24, puisque c'est le premier lot de cette série de femelles. Alors le voilà, on le découvre, ce numéro 23. Pas 24, puisque 23 c'était Volcano Genoulet. Le 24 c'est Foudre du, Foudre du Pecos, qui est une fille de Network et Frivole du Pecos. Alors cette pouliche de Network est issue de la plus belle et la plus riche origine du Haras du Pecos. Donc Sophie de Courval et Patrick Davazac, mais pour une fois, ce n'est pas eux qui présentent cette pouliche, tout simplement, parce que Paul Couder l'a acquise à leur côté lorsqu'elle était yearling, je crois. Et donc c'est une fille de Network qui a 14,40% d'anglo-arabe, donc qui est juste au-dessus de la limite pour courir les courses à 12,5. Foudre du Pecos. Alzane comme son frère Fairplay et comme sa sœur France du Pecos. Et sur France TV, effectivement, vous pouvez suivre. Et les coups de téléphone pleuvent, les coups de téléphone sonnent pour pouvoir suivre en direct. Et nous pourrons suivre en différé dès demain tout l'entièreté de ce programme. Voilà, Jean Birabin qui vend tous ses chevaux, on le rappelle. Foudre du Pecos, donc très belle souche. Pouliche qui n'a pas le modèle le plus harmonieux du monde. Un peu pouliche qui, a priori, le programme, c'est clair, c'est avalé sur l'obstacle. Au Haras du Pecos, mais elle nous était présentée par M. Couder et M. Louit. Cette pouliche est fille de Network, étalon pur sang et Frivole du Pecos. Une jument qui avait gagné voilà quelques années le Grand Prix du Pouliche à Tarbes. Et une jument qui a tout simplement donné les grands champions France du Pecos et Fairplay du Pecos. Fairplay du Pecos est son vainqueur à Longchamp du Grand Prix des Anglo-Arabes 2011. La Foudre du Pecos par Network et Frivole du Pecos, demi-sœur de France et Fairplay du Pecos. Voilà maintenant le numéro 25 qui va nous rejoindre. Alors voici le 25, Calypsland, présenté par Xavier, poursuivi par son mari Cyril, comme souvent, fils de fille de Sunshack et Kinland par Ramuncho, le père de Zamuncho. Alzan. Calypsland et par Sunshack, étalon pur sang, et Kinland par Ramuncho. La mère Beautyland était très bonne, placée deux fois de course classique, prix de la fédération. Deuxième du Grand Prix des Pouliches, récemment, hein, 2009-2010. Et Kinland, la mère, donc, a produit donc Beautyland, dont je vous parlais à l'instant. Thunderland, Uniqueland aussi, bonne pouliche, Uniqueland. C'est la famille de Djebelan, Pontadour. Tavel, Pontadour, Etouti et Quanti. Au jury, Alain Jeanne, Yann Poirier, Dr Bigas, qui va rétablir un classement compte tenu de différents. Alors Xavier Coapé donc nous présente cette Alipsland. 14,43%, je m'en assez légère.
Elle n'a pas la robe qui convient pour gagner un concours de modèle. Elle est jaune, enfin elle est alsane claire. Je ne manquais pas trop d'encolure comme ça. Ça ne va pas être simple pour faire un bon classement dans ce type de, catégorie. Mais on rappelle que ce concours élite est réservé non seulement aux chevaux qui ont du modèle, mais aussi aux chevaux qui ont du pedigree. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que les mères ou les frères ou sœurs soient classiques, c'est-à-dire ayant eu des performances significatives, enfin ayant été classés dans les trois premiers des courses, des circuits classiques des anglo-arabes en plat ou en obstacle. Donc il n'y a pas que le modèle qui compte là aujourd'hui, on a aussi le pedigree. On a eu tout à l'heure les mâles, je vous rappelle que c'était un fils de Zamuncho qui a gagné. Et voici maintenant les femelles, une dizaine de pouliches, 12 exactement, qui s'affrontent pour ce concours de modèles et allures de femelles. On salue la présence à nos côtés de M. Loïc Malizet, président de l'Association nationale des éleveurs de chevaux de sang. Le syndicat des éleveurs. Et l'amitié de partager un moment avec nous sur ces rencontres internationales anglo-cours à Tarbes. Voilà, Loïc Malivet qui était là. Bernard Ferrand qui était venu faire ses grands adieux à la gloire lors de ce concours de élite de Tarbes. Tandis que c'est aujourd'hui Loïc Malivet qui a pris sa place désormais à la tête du syndicat des éleveurs et qui est venu cet après-midi pour voir le concours élite. Voici le lot suivant. Le 25. Qui s'appelle Folie Guerrière. Ça se fait beaucoup en ce moment, la Folie Guerrière. Chef de clan et Muscade. Chef de clan, étalon, père de Yclan de Molière notamment. Étalon à 12,5%. Et Muscade, elle, est une anglo à 25,34%. Donc c'est pour ça que Folie Guerrière porte exactement 19,28% de sang anglo-arabe, une alsane brûlée. Alors, particularité, chef de clan et Muscade par Marley River. Marley River, c'est un cheval très particulier. Fut champion sous l'entraînement d'Yann Porzier dans les années 80 à Auteuil, la selle de Jean-Yves Artu. Et puis, il est entré étalon de façon tout à fait sensationnelle. Pendant un an, il a rempli une jument ou deux maximum. Et puis, il a disparu dans la nature. La nature, ça se passait en Argentine. Il est parti loin, loin du monde, loin de la France. Et il est revenu à l'âge de 20 ans comme étalon en France, sans rien faire de particulier. Mais en revanche, avec lui, il a emmené dans ses valises deux de ses fils qui ont tous les deux gagné à Auteuil. Voilà pour l'histoire étonnante de ce Marley River, qui est donc le père de mère de Folie Guerrière. Muscade a été une bonne pouliche puisqu'elle a gagné la coupe des Anglo-Arabes à Pau en obstacle. C'était en 2006. Entre autres performances, hein, puisqu'elle compte quand même la bagatelle de 6 victoires, tout un obstacle. Voilà, c'était Folie Guerrière. Alors autant pour moi, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans le programme. Le numéro 27 fait partie de cette catégorie. Hein.
Donc le 27 qui fait partie de la catégorie des moins de 25 puisqu'il a 21,16, elle a 21,16%, présenté par Yann de Kersaviec, une autre fille de chef de clan issue de Folie Douce. Nièce de Ratou. Bon. Vraiment un excellent reproducteur. Fils de Cyborg. Père du clan de Molière, gagnant du Grand Cross de France, du clan royal, deuxième du Grand National de Liverpool. Pour nous citer que. Et Folie Douce, la mère de cette pouliche, Folie Douce, eh bien, notamment engendré tout lauréat pour la Coupe des Anglos à Pau. Également Camilla, lauréate du Grand National. Les Anglos à Toulouse. Alors, en ce qui concerne l'origine de cette pouliche, Douceur de Candale, chef de clan et Folie Douce. Folie Douce est une poulinière plus que confirmée, puisqu'elle a 21 ans désormais. Elle a produit Foudou, qui a gagné la Coupe des Anglos à Pau en obstacle. Et surtout, peut-être meilleur encore, Camilla, née en 2004, qui a gagné en... Non, qui n'est pas née en 2004 du tout d'ailleurs, Camilla, mais qui a gagné en 2003 le Grand Prix des Anglo-Arabes, qui se courait cette année-là à Saint-Cloud, qui a été troisième du Grand Prix des Anglo-Arabes à Saint-Cloud. Elle a gagné en revanche le Grand National des Anglo-Arabes à 25% qui se déroule à Toulouse. Voilà pour le numéro 27, Douceur de Candale par chef de clan et Folie Douce. Passer un moment avec nous, je vous rappelle que vous avez le programme qui est à votre disposition gratuitement, bien sûr, sous la tente blanche des Arts Nationaux. Vous avez également le catalogue de la vente aux enchères qui suivra à 17h30. Catalogue qui est à votre disposition pour cette vente aux enchères, grande première à l'occasion de ces rencontres internationales de l'emploi arabe de course ici à Tarbes. Vente aux enchères qui aura lieu ici à 17h30 avec des chevaux du domaine national de Pompadour. Allez, on passe au numéro 28 déjà. Alors, sans transition, on accueille le numéro 28, Valse d'Estivaux, le 28, Fétiche d'Estivaux et Noce d'Or à Estivaux, élevé par le GFA d'Estivaux à Estivaux, dans le département de l'Estivaux, dans le pays de l'Estivaux. Allez, Valse d'Estivaux. Donc une pure d'Estivaux, c'est le moins qu'on puisse dire, cousine de le crabe tambour. Mais surtout, Valse d'Estivaux est le premier produit de Noce d'Or à Estivaux. Fille de Zéphyr, qui était une véritable championne du genre, qui a gagné le Grand Prix des Anglos à Longchamp, la Fédération à Toulouse, le Grand Prix des Anglos à Longchamp une nouvelle fois en 2006, enfin c'était avant, et le Grand Prix des Pouliches à 25% à Tarbes. Donc vraiment, Noce d'Or d'Estivaux, c'était ce qui se faisait de mieux dans sa génération, et même de façon intragénérationnelle, intergénérationnelle, puisqu'elle a gagné à deux reprises cette grande épreuve, l'épreuve principale des Anglo-Arabes, la Coupe, le Grand Prix des Anglos intergénérationnel, 3, 4 et 5 ans à Longchamp. Voilà ça, voilà ici son dernier, son premier produit, oh là là, je vais y arriver, je dirais qu'on n'importe quoi, par Fétiche d'Estivaux, qui lui est un fils de Fast Étalon Maison de l'élevage de Chaise Martin à Estivaux dans le 87, c'est-à-dire la Haute-Vienne. Le programme avec tous les pédigrés de tous les chevaux qui sont
présenté ici dans cette carrière. Vous avez le catalogue de la vente, vous avez les annuaires de l'ANA, vous avez également le diaporama avec toutes les plus belles photos qui ont été prises depuis ce matin par Robert Paulin. Et puis bien sûr, voilà, il y a la régie aussi de France Cirque TV avec Lise. Et puis pour les photos, la régie Paulin avec Roselyne. Voilà, personne n'a été oublié. Je voudrais juste vous rappeler que ce soir, le dîner d'élevage, le dîner spectacle, aura lieu ici. On a tellement l'habitude d'aller à la maison. Alors, tandis que la pluie recommence à menacer, nous allons attendre dans quelques instants. Nous avons eu Vals d'Estivaux qui venait de passer. Donc nous allons accueillir dans quelques instants, le 29, c'est l'île au trésor. L'île au trésor, mais l'île comme la ville de notre ami à tous, Martine Aubry, c'est-à-dire l'île du Nord, parce qu'elle a été élevée, l'île au trésor, par Maurice Lille, qui n'habite pas du tout dans le Nord, mais ici dans les Pyrénées orientales, à Auriéba, par monsieur Maurice Lille, donc dans le département du 65, la même où on se trouve. C'est une fille de Annapolis que voici désormais. Comme son nom l'indique, l'île au trésor appartient à monsieur Maurice Lille, éleveur ici dans les Hautes-Pyrénées à Orievat. Une belle origine pour cette pouliche anglo-arabe à 28,89% de sang arabe. Fille donc d'Annapolis. Et l'étincelle d'or qui a été deuxième du Grand National à Toulouse, deuxième du Grand Prix des Anglo-Arabes. Donc Annapolis, son père, on l'a vu tout à l'heure, Cheval Bay, il était le troisième dans la série des étalons qui vous ont été présentés. Quant à la mère, l'étincelle d'or était bonne, hein, plusieurs fois placée. Elle n'a pas gagné de classique, mais elle a été à plusieurs reprises placée de classique. On vous rappelle que c'est la condition sine qua non pour pouvoir participer à ce concours élite, que la mère ou les frères et sœurs soient placés de classique. Mais en l'occurrence la mère qui avait un IAA de 142. Donc je ne saurais toujours pas expliquer comment ça marche, mais 142, ça veut dire que c'est bien. Voilà, l'étincelle d'or, une fille de gnome. Gnome qu'on a vu également tout à l'heure lors de la présentation des talons. Ce matin, nous avons vu sa cousine, c'est-à-dire l'étoile filante et sa fille par Zamuncho, qui s'appelle Jade de la Palisse. L'élevage de Maurice Lille à Auriéba. Salut également quelques entraîneurs de chevaux de course qui ont fait le déplacement, qui sont ici. On a aperçu tout à l'heure M. Gaillard. On a aperçu également Loïc Manceau. Voilà, merci au 29. On enchaîne assez vite et on va accueillir le numéro 30. Ah, le numéro 30 est présenté par Michel Parodelotte et s'appelle Septine. C'est le premier produit d'une remarquable jument de course. Il s'appelle Sixties, la championne de Michel Parodelotte, qui sous l'entraînement d'Arnaud Chaillet-Chaillet a gagné l'Omnium à 25, le Grand Prix des Pouliches à 25, respectivement à la Teste et à Tarbes, et a terminé deuxième du Grand Prix des Anglo-Arabes à Longchamp. Donc Sixties, c'est la souche classique des Anglo-Arabes de la famille Parodelotte, celle qui a donné Zafir. Saphir, le super classique, qui est à un indice 151 et qui est devenu un très grand étalon. Et c'est aussi la cousine de Gavotte de Bréjou, qui est notre autre, qui est la mère de Synaptique, et mon pilou, le porte-drapeau des Anglo-Arabes 2010-2011, mon pilou. Voici donc la cousine de mon pilou. Donc c'est une pouliche, je vous rappelle, de Zamuncho, qui est vraiment l'étalon le plus soutenu. Hein, on a eu la plupart des foals ce matin, ils étaient par Zamuncho. Et on voit ici quelques-unes des meilleures origines anglo-arabes issues de Zamuncho.
Voilà, Michel Parent-Delotte, c'est l'homme que vous apercevez à gauche de l'écran avec sa veste jaune. C'est la Couzex, juste à côté de Limoges. L'homme qui élève tous les chevaux achetés par Jacques Détré. Enfin, pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Et c'est lui qui a élevé mon Pilou, c'est lui qui a élevé mon Synaptique pour le compte de Jacques Détré. Voilà, c'était le 30. Voilà, c'était Septime, numéro 30 de notre programme. Qui va être suivi de Rosa Carla, le numéro 31, présenté par monsieur Benoît Lapèze-Charlier. Senac, il est toujours dans le département du 65. À la vente aux enchères du domaine national de Pompadour. On attend le numéro 31. Alors le 31. Rosa Carla, appartenant à monsieur Benoît Lapèze-Charlier. Pouliche Alzane qui arrive avec une large liste en tête blanche. Et deux Balzanes au postérieur. Blanche. Rosa Carla, fille de Djebelan Pontadour, avec une mère qui s'appelle Carla de l'Abbaye par Le Pigeon. Une grand-mère par Le Grillon. Voilà, Pouliche Alzane. Alors une fois de plus, hein, une mère elle-même classique, parce que je rappelle que tous les produits ici sont issus de juments de mères qui ont fait des performances dans les courses classiques. En l'occurrence, Carla de l'Abbaye a été troisième de la poule d'essai à 25% à la teste de Buc. Famille maternelle de Le Chevreuil. Donc ce numéro 31, présenté par Benoît Lapèze-Charlier, je vous rappelle, à Senac, dans la région. Ici, dans le département, la plupart des chevaux qui... Alors, l'Anglo-Arabie s'étend dans un vaste domaine du sud-ouest. Hein. Ça va depuis le Cantal, puisque le Cantal est considéré comme dans le sud-ouest, jusqu'à bien dans les Pyrénées. Le Cantal, qui est le département où on élève le plus d'Anglo-Arabes, mais d'Anglo-Arabes en général, pas seulement d'Anglo-Arabes de course. Les Anglo-Arabes de course sont principalement élevés quand même en majorité, on peut le voir d'ailleurs à la lecture du catalogue, dans ce département, autour de Tarbes. Donc voilà pour le numéro 31 et on a fini la catégorie des femelles à moins de 37,5. Après on va passer aux femelles à plus de 37,5, c'est-à-dire 40 et plus. Voici donc le numéro 32. Alors, quelques détails sur le numéro 32. Une Estivaux encore. Tout à l'heure, on a vu le premier produit de Noce d'Or à Estivaux, championne de sa catégorie. Voici une pouliche de Fétiche d'Estivaux, qui était déjà le père de la pouliche de tout à l'heure, et Oasis du Galopin. La mère Oasis du Galopin. De
a gagné deux courses, en l'occurrence à Dax et à Lannemezan. Précise que c'est le même élevage, mais ce n'est pas la même souche. Hein. Ce n'est pas la souche de Nosdor Estivo. Le père de mère, c'est Blue Boy, qui est en l'occurrence le père de Biblou. Donc c'est de Blue Boy et le père de mère de Bénévolo de Paban. On gardera la gagnante, on lui demandera d'attendre au classement de la femelle suprême. Dans quelques instants, donc, proclamation de résultat. On laisse le jury délibérer. Voilà, maintenant que les résultats des deux ennemis sont arrivés. Sont en cours d'arriver. Merci Marilyn, notre efficace secrétaire de l'ANA. Merci Marilyn. Alors, voici donc la remarquable Marilyn vient de nous annoncer le résultat des 12 ennemis. Donc à la quatrième place, c'est le 27 Douceur de Candale. À la troisième place, c'est le 25 Alipsland. À la deuxième place, c'est le 24 Foudre du Pécos. Et à la première place, c'est le 26 Folie Guerrière. On va les appeler tout de suite, maintenant, pour remettre les prix donc du classement à 12 ennemis. Vous voyez, on enchaîne. Hein. On a fait une parenthèse dans le classement, dans le jugement des plus de 25, puisqu'on vient d'avoir les résultats des 12 ennemis. Oui, c'est cela. Et donc, on va remettre le prix à Folie Guerrière, notamment le 26. Et on va garder Folie Guerrière de côté, de façon à ce qu'elle participe au championnat suprême des femelles, dans exactement le même principe que nous avons eu tout à l'heure, le championnat des mâles. Y a-t-il des chevaux qui arrivent derrière moi? Non. Eh bien, on va les attendre quelques instants. Il faut le temps de rassembler tout le monde. Donc, voici une pouliche qui arrive. Voilà, Douceur de Candale, c'est celle qui a terminé quatrième, qui porte donc le numéro 27, le 27 Douceur de Candale, qui réapparaît devant nous puisqu'elle a terminé quatrième du classement des 12 et demi. Présenté par Yann de Kersabiec. Voilà, peut-être que vous pouvez marcher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les accueillir en même temps. Donc le 27 va tourner devant nous et on va accueillir Xavier Coapé, qui nous présente là le numéro 25. Alors on va tous tourner dans un cercle, hein. On va faire une ronde comme à l'école.
Donc ça, c'est le 25 qui apparaît devant vous, le 25. On attend encore Poudre. À Lipsland. Du Pecos, le 24. Et Folie Guerrière, le 26. Alors, Foudre du Pecos est dans les parages, elle arrive. Et la gagnante de cette catégorie des 12,5, c'est le 26, Folie Guerrière. Voilà, voilà, une pouliche alsane qui arrive. C'est le 26. Eh ben voilà la gagnante. La voilà la gagnante. C'est le numéro 26, la fille de chef de clan. Qui va être. Alors, chef de clan, c'est un peu un croisement de l'histoire parce que tout à l'heure, il va être vendu sous pli cacheté, chef de clan. Et talent qui a fait toute sa carrière aux Rats nationaux et qui a une vingtaine d'années, eh bien, va quitter le giron. Des fonctionnaires français pour rentrer dans le privé à l'âge de la retraite, c'est amusant. Est-ce que Foudre du Pecos va nous rejoindre? Est-ce que Foudre du Pecos... Est-ce que Foudre du Pecos va nous rejoindre? Oui, Foudre du Pecos va arriver dans quelques instants pour recevoir son prix, le deuxième prix en l'occurrence. Voilà, voilà, Foudre du Pecos. Ah, je croyais l'avoir arrivé. Je l'ai demandé. Voilà, on récompense le 27 puisque Foudre du Pecos est en cours d'arrivée. Ils avaient tout emballé. Ils ne savaient pas qu'ils devaient revenir au rappel. Donc elle va arriver dans quelques instants. Là, pour l'instant, c'est la quatrième. Voilà, Yann Poirier récompense Xavier Coaté, accompagné du docteur Ducasse et de monsieur Alain Jam. Alors que nous rejoignons la deuxième, Foudre du Pecos, présenté par son éleveur, Sophie. Pour le compte de son propriétaire Paul Poudère. Voilà, Foudre du Pecos classé deuxième avec 6,40 points. Voilà, monsieur Poudère qui est félicité. La voilà, Foudre du Pecos. Et maintenant, donc, on va récompenser la gagnante, Folie Guerrière, le numéro 26 de votre programme.
Alors les trois pouliches ensuite vont rentrer au box, mais il faut que les guerrières se tiennent prêtes pour le championnat suprême tout à l'heure. Voilà une magnifique pouliche par chef de clan. Une fille de Marie Rive. Voilà Folie Guerrière, elle est là. Origine d'obstacle. Appartenant à la Christine Audois. Folie Guerrière. Voilà, monsieur, vous avez gagné. On va se rapprocher un petit peu. Regarde la minette. On va s'approcher juste de la caméra. Alors, monsieur, quelques petits mots sur votre victoire. Ben, écoutez, c'est une victoire, j'espère, méritée. On verra si elle est couronnée en course à 3 et 4 ans. Le papier de la jument avec une bonne mère, Muscade, j'espère, parlera. Voilà. Vous êtes installé où? Ça fait combien de temps que vous élevez des chevaux d'Anglorab? Ça fait une dizaine d'années. C'est mon épouse qui élève, voilà, qui s'en occupe régulièrement. D'accord. Voilà. Eh bien, bravo à elle. Merci, monsieur. Donc, vous allez rester pas très loin pour participer un peu plus tard au championnat suprême des femelles. Donc, la suite. Voilà, maintenant, nous allons appeler pour les récompenses les pouliches de 2 ans, élite 25%. Alors, j'appelle Rosa Carla, numéro 31, quatrième avec 5,40 points. J'appelle Septine, le numéro 30, troisième avec 6,60. J'appelle Vals Destivo, numéro 28, placé deuxième, avec 6,70. Et Lille, au trésor, numéro 29, qui gagne sa classe, avec 6,75. Voilà, Rosa Carla, numéro 31. Alors Rosa Carla, elle arrive là. Je vais vous donner le résultat du classement des femelles à 25%. On finira le classement des femelles à 37% dans la foulée. Alors, voilà, on les fait marcher. Donc là, ici, c'est la quatrième Rosa Carla, fille de Djebelon Pontadour, donc présentée par Monsieur Benoît Lapèze-Charlier. La troisième, c'est le numéro 30, Septine, le 30 Septine, présenté par Michel Parot-Delotte. La deuxième, c'est Valse d'Estivo, le premier produit de Noce d'Or à Estivo, la championne Noce d'Or à Estivo, présentée par le GFA d'Estivo, la famille de Chaise Martin. Et la première, c'est le 29, Lille au trésor. Nommé avec malice par M. Maurice Lille, qui habite à Orieba, tout près d'ici, dans le département du 65, une fille d'Annapolis. On va les voir juste derrière nous, qui arrive. Donc voilà ici c'est le 28, là ici, qui va arriver juste devant vous. C'est le 28, c'est Vals d'Estivo. Voilà, dans le fond, on arrive dans le fond. Voilà, donc nous avons avec nous Rosa Carla classée quatrième et Vals d'Estivo classée deuxième. Vals d'Estivo, si je vous le rappelle, est un pur produit de l'élevage Chaise Martin et c'est la première fille, la première pouliche de la grande championne Noce d'Or à Estivo. Hop là, voici. Voici la pouliche fougueuse qui arrive, c'est le numéro 30 présenté par Michel Parot-Delotte et vient de s'enlever son écusson. Donc Michel Parot-Delotte lui remet dans cet instant puisqu'elle s'est arrachée l'écusson. C'est le numéro 30, Septine, jument très racé. Premier produit de la championne 60s par Zamuncho. Zamuncho a fait son spectacle tout à l'heure, et bien Septine, sa fille, a envie de faire la même chose. Et enfin le numéro 29. Qui arrive en dernière position, mais c'est pourtant bien elle, la première. Donc là, on récompense le numéro 30. Ah non, on récompense le quatrième d'abord, excusez-moi. Le quatrième, c'est Rosa Carla, le 31. Voici donc cette pouliche alsane, c'est le 31. Ah, il y a du rythme aujourd'hui à Tarbes. Hein. On ne traîne pas. C'est Rosa Carla. Voilà, Rosa Carla qui a terminé quatrième. Merci. La troisième, c'est Michel Parot-Delotte qui est là. C'est Septine, premier produit. Regardez-la bien hein, parce qu'on va la voir l'année prochaine en course. Voilà, là donc ici c'est le 30, Septine. Jolie pouliche, 13 juments de course. Premier produit de 60s par Zamuncho. C'est quatrième avec 5,40. On récompense maintenant Michel Parot-Delotte, propriétaire de Septine, le numéro 30, classé troisième. La fille de Zamuncho totalise 6,60. Docteur Pigas, Alain Jam et Yann Poirier récompensent voilà. Michel Parot-Delotte.
Donc maintenant c'est le 28, je suppose. On va maintenant récompenser Valse Restivo. Que voilà. C'est deuxième avec 6,70 pour l'élevage de la famille Chaise-Martin. La fille de la championne d'Osdor à Estivo, classée deuxième. Très bien, alors on va la garder là pour que ça fasse juste à la caméra. C'est le 28. Le 28, donc fille d'une championne, élevée par monsieur Deschaises-Martin. Président de l'ANA, accompagné de Yann Poirier, récompense le présentateur. Alors que monsieur Deschaises-Martin nous fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre. Ah, monsieur Deschaises-Martin, le propriétaire, va arriver. Le voilà, c'est monsieur Deschaises-Martin, c'est lui. Il va se mettre juste à côté de sa jument. Le GFA d'Estivo. Hop là, bah oui, il a plu un peu. Voilà, bravo, félicitations. Il reçoit les prix des mains de notre président Jean-Marie Bernachaud. Pour la photo, hop. Voilà, photo souvenir. Et merci. Merci, merci pour la deuxième TV et la gagnante. La gagnante, c'est le lot 29, c'est le numéro 29 qui va venir se placer à la place de la gagnante, juste devant la caméra. Voilà. Elle s'appelle Lille au trésor. Attention, monsieur Deschaises-Martin. Lille au trésor remporte ce prix. Alors les trois autres pouliches pourront repartir au box. Quant à Lille au trésor, eh bien, elle va rester dans les parages pour peut-être tout à l'heure. Voilà, le 29, Lille au trésor, élevé et présenté par monsieur Maurice Lille, qu'on félicite. Voilà, remise de prix. Le 29. Hop, la photo souvenir, docteur. Composé du docteur Bigas, d'Alain Jam, de Yann Poirier. Accompagné de Jean-Marie Bernachaud. Voilà. Le 29. Félicitations, voilà, monsieur Lille. À Lille Trésor. Allez, on envoie la vapeur, comme dit Alain Jam, on envoie la suite. On en était au numéro combien d'ailleurs? On en était au 32, je crois. On en était au 32, donc on va passer au 33. Tiens, on peut appeler le 33? On appelle le numéro 33. Perle de Mestre, de la suite du concours à des poulains à 37,5. Le voilà, le 33. Donc Jean-Marie Lapoujade, propriétaire de chevaux de plat, de chevaux d'obstacle, notamment chez François Nicole. Par hasard, et Jolie Perle du Lac. Très bonne poulinière, Jolie Perle du Lac, très bonne jument de course. Pour cette pouliche, fille de cette grande championne qui était Jolie Perle. Super jument, hein, Jolie Perle du Lac. Hein. Vraiment super jument, gagnante du prix de l'élevage des Anglos. Elle a pris une quantité de place incalculable. Elle a gagné le prix de l'élevage à la teste. Aussi l'Omnium. Jolie musique du lac et Perle Arbor. Comme vient de le dire Jean-Philippe Thomas, notre animateur du jour, elle a fait Dream Pearl du lac, Jolie musique du lac, enfin que des super juments de course. Et nous voici avec une fille de Haza, étalon plus que confirmé. Présentée par monsieur Jean-Marie Lapoujade. Pouliche, un modèle imposant. Alzane, comme son père, Haza. Je rappelle que demain, hein, l'élite des Anglo-Arabes de course s'affronte sur la piste de Lanouvert, une piste magnifique, très sélective, dans les plus belles épreuves de l'année. Le prix des ministères. Venez nombreux demain sur l'hippodrome de Lanouvert, hein, pour les courses. Hein.
Voilà, c'était Perle de Mestre par Aza. Voilà pour le 33 Perle de Mestre. On va passer donc au numéro 34. De 34, c'est Sephora. Célèbre magasin présenté par Madame Danielle Bello, qui est l'épouse de Christian Bello, le président du syndicat Anglo-Course qui arrive. Le Christian Bello, c'est le monsieur qu'on a interviewé tout à l'heure et qui, avec sa veste verte au fouet derrière, c'est François Louit, l'ancien entraîneur, qui nous présente, entraîneur vedette des Anglo-Arabes, qui nous présente ce 34 Sephora qui la tient en main. Une fille de Kanger Jolie et Suzy de la Bruny par Dan Music. De la Bruny, donc, c'est l'élevage de Jacques Crousillac, installé à Pompadour. Attention, s'il vous plaît. Hop. On peut se décaler un tout petit peu, messieurs, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas. Merci. Qui s'est placé deuxième du Grand Critérium à Mont-de-Marsan, troisième de l'Omnium à La Teste, troisième du Grand Prix des Pouliches à Tarbes. Sephora. Voilà, donc Sephora, Kanger Jolie et Suzy de la Bruny. Propenseur d'un bon cheval, Quasic. C'est la famille maternelle hein, de Kanger de la Bruny. On parlait, on a vu tout à l'heure un nouvel étalon qui se présentait, c'est Arès de la Bruny. Et bien, c'est tout simplement ici Sephora, la cousine d'Arès de la Bruny, la famille aussi de Kanger de la Bruny, qui lui est présentée dans le, aux ventes dans le lot des 12 chevaux proposés par les Domaines de France, qui sont donc propriétaires de tous les lots d'État. 12 chevaux qui sont présentés à la vente tout à l'heure, après ce concours. On vous en donnera les résultats sur francecire.com et dans le syndicat Anglo-Course, bien évidemment. On va revenir avec Sephora qui va revenir... Oula, elle est partie en reculons là. Elle va revenir au trot pour ce... là, pour l'instant, elle va en marche arrière. Mais l'idée, c'est de la ramener vers l'avant. Voilà, elle va venir au trot. Voilà, droit devant nous. Billarde un peu. Des deux côtés d'ailleurs, billarde, c'est-à-dire qu'en fait, quand elle trotte, elle envoie ses pieds plutôt vers ses sabots, le bout de ses sabots vers l'extérieur. Mais ça mouille, hein. Merci. Merci à on va vous épargner de vous tremper les os et on va passer directement au 35. Ah, Viva de la Bruny, cette fois-ci, c'est Jacques Crousillac en personne qui habite à Troche, juste à côté de Pompadour, dans le département de la Corrèze de 19. Une fille de Kanger Bruny et Allé Bruny. Donc là, c'est la toute proche famille de Cérès de la Bruny, cheval classique. Et c'est la même souche que le lot précédent, en fait. Hein. On retrouve Musique de la Bruny, Petite Lyonne, Petite Bruny et surtout Perlim. Perlim qui a un destin assez particulier parce que Perlim, c'est la jument qui était une championne du cross à Pompadour. Elle a gagné 4 fois le grand cross de Pompadour dans les années 80. Et Perlim, c'est la jument qui a permis à un tout jeune jockey à l'époque, totalement inconnu, de gagner son premier grand prix. Et ce jeune jockey totalement inconnu, il s'appelle toujours Christophe Pieux. Et oui, à 20 ans, Christophe Pieux a gagné son premier Grand Prix grâce à Perlim, l'arrière-grand-tante de cette pouliche Viva de la Bruny. Une montre de remplacement, car le jockey habituel de Perlim était tombé dans une course précédente. Il ne pouvait pas remonter Perlim. L'entourage, Jacques Crousillac, son père Roger Crousillac, a failli faire non partant. Et devant les horreurs de la foule qui voulait absolument que la jument court, eh bien, ils ont couru. Mais il n'avait pas de jockey, sauf un jockey qui s'est présenté, donc un jeune apprenti totalement inconnu qui était là, qui montait un steeple chase et qui était libre dans le grand cross. Eh bien, c'était un certain C. Pieux. Ils ont fait monter ce fameux C. Pieux qui montait très court, qui n'avait jamais monté en cross. Il a débuté dans le cross de Pompadour, très difficile, cross de Pompadour, et il a gagné. Cette histoire vous a été racontée, contée sur francecire.tv, francecire TV, donc dans l'ordre de l'émission. À cheval sur l'histoire, une émission que vous pouvez retrouver, il vous suffit de regarder dans le moteur de recherche ou dans le
dans l'émission Un cheval sur l'histoire, et vous pouvez retrouver avec les photos et les images de Perlim de la première victoire de cette petite Perlim qui est la grande tante de Viva de la Bruni, le numéro 35 qui vous est présenté devant vous. Alors, du 35, Jacques Crozillac, on va passer au 36, Jacques Crozillac toujours, accompagné de sa charmante fille Laura. Vulca de la Bruni, c'est le numéro 36, une fille de Candja Jolie et petite Bruni. C'est la même famille, puisqu'on retrouve dans cette souche la troisième mère, Cornette, c'est la jument de base de l'élevage Crozillac. Jument née dans les années 60, Cornette, et qui a tout fait, qui a fait Perlim, dont je vous parlais il y a quelques instants, Pomme Perlim. Et petite Bruni, Coudard de la Bruni, Conjure de la Bruni, Arès de la Bruni, etc., etc., etc. Et voilà. Voilà, on reste avec l'élevage de Jacques Crozillac. Le numéro 36, Vulca de la Bruni, arrive sur la carrière de l'un de Arras de Tarbes. 56,3% de son arabe. Elle est par Conjure Jolie et petite Bruni, par Ferry Lang de 2. Elle n'est pas sans ressembler à la... Elle n'est pas sans ressembler à sa cousine qui vient de la précéder. On peut même dire que c'est la même en couleur. Viva de la Bruni, le 35, et Vulca de la Bruni, ici, le 36, sont vraiment cousines, pas par hasard. D'ailleurs, cousine, proche cousine, parce qu'on a le même père, Conjure Jolie. Et le même père de mère, Ferryland. Donc même père de mère, en fait les deux mères sont propres sœurs et nous avons les deux mêmes pères. Donc deux poulains, pouliches, vraiment de très 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 proches familles qui se ressemblent. Mais celle-ci elle marche mieux, elle s'engage mieux, elle a des meilleurs jarrets et un petit peu moins enjambée devant. Alors si vous êtes éleveur, si vous êtes présentateur, parfois quand on est dans le feu de l'action... On est dans les coulisses et on ne voit pas forcément ce qui se passe sur la piste pendant qu'on prépare son cheval, pendant qu'on prépare son élève. Si vous voulez voir une vue d'ensemble de tout ce qui s'est passé au cours de ces journées anglo-arabes courses à Tarbes, vous savez que vous aurez le loisir de retrouver alors, les plus belles photos grâce à Robert Paulin et puis les images en direct. Des images en direct que vous pourrez voir en différé à loisir, quand vous voulez, où vous voulez, en vous connectant sur www.france-tv. Voilà, vous rappelle que ce différé, vous pourrez, enfin ce qu'on vous voyait en direct, vous pourrez le retrouver en différé dès demain sur France IR TV. Vous allez retrouver aussi, dès le début de semaine prochaine, les résultats complets, précis, annotés de tous les participants de ce concours de Tarbes sur le site du syndicat Anglo-Course, www.anglo-course, en un seul mot, anglo-course.com. Ainsi que sur francia.com, bien évidemment. On note tous les résultats de tous les concours, ainsi que toutes les ventes. Concours d'AQPS, mais aussi concours d'Anglo-Arabe, en l'occurrence. Merci.
Alors, Jacques Crozillac vient de nous présenter deux chevaux consécutifs. On va passer désormais à Fury. Fury, c'est le numéro 37, présenté par Daniel Lacassagne, une pouliche à 58,07%. Alors, ce qui est amusant, c'est que la mère s'appelle Folie du Pécos, c'est Foly du Pécos. C'est la famille du Pécos, la très bonne famille du Pécos, Fairplay du Pécos, France du Pécos, Etouti et Quanti. Et cette Folie du Pécos qui est arrivée chez Monsieur Daniel Lacassagne, elle a fait que des bons chevaux qui portent tous des noms assez engagés. D'ailleurs, la pouliche est présentée par Sophie de Courval, hein, du Rat du Pécos également. La première produit, c'était Fada, en plus, il y a des fêlés, ensuite Fofol, ensuite Frappé, ensuite Fracassé, ensuite Fury, que nous voici, et la dernière, la yearling, elle s'appelle Flinguée. Tout un programme. Fury est par Donald Duck, et une mère, donc Folie du Pécos, par Kanger Jolie. Jolie pouliche. Donc tous les produits qu'a fait Folie du Pécos, pendant, sont tous bons. Hein. Donald Duck et Folie du Pécos. Folie du Pécos qui a produit les excellentes Fofol et Frappé. Frappé qui s'est imposé l'an passé dans le Grand Prix des pouliches à Tarbes. Tout juste un an. Voilà, pouliche sympathique cette Fury, sympathique au modèle, 58,07%, donc une vraie 50, comme on dit, donc, un modèle typique 50, très joli, harmonieux, on ressent l'influence arabe ici. Alors on va vite, hein, on n'a plus que 5 numéros dans toute cette journée, qui va se finir au 43. Fury. Ah, c'est mon coup de cœur, cette Fury. 37. Même s'il a un suros à l'intérieur du canon de l'antérieur droit. Voilà, le 37 va précéder le 38. Famous du Pécos, encore les du Pécos. Mais une seule, voilà, Sophie de Courval, omniprésente, décidément, elle présente tout le monde. Elle a réussi à ne pas tacher son magnifique chemisier blanc, c'est assez surprenant, sous la pluie. Donald Duck et Ferdelia, superbe souche. Le 38, Famous du Pécos, qui va arriver après. Voilà, maintenant. Voilà, okay. Vous voyez qu'elle a un pansement au niveau du genou droit. Bon, c'est une blessure qui n'empêche rien à son modèle, hein. Ça ne change pas grand-chose, mais enfin bon, c'est une blessure quand même. Alors, on accueille le numéro 38, dans le Ferdelia, grande matrone, Ferdelia née en 91, elle-même multiple castique. Et mère de Falador, mère de Family, championne de Family, mère de Fax du Pécos. Pareil, un cheval qui a accumulé les dizaines de victoires en Corse. Une des souches les plus solides parmi l'élevage d'anglo-arabe ici. Malheureusement, cette pouliche, comme vous pouvez le constater, elle souffre d'une blessure au genou de l'antérieur droit, d'où son pansement, son bandage.
Très très belle souche pour l'élevage hein, que cette Famous du Pecos qui a 60,03% de sang arabe. Voilà, Famous du Pecos, le 38. C'était le dernier lot de cette série de femelles. Donc hop là, Marilyn récupère les papiers pour faire les calculs. Et ensuite, nous avons... Excuse-moi. On va rappeler cela ? D'accord. Alors après, il reste 3 chevaux, 4 chevaux non élites. Non élite. Alors qu'est-ce que c'est? Tiens, Alain, il va nous expliquer qui c'est aussi. Qu'est-ce que c'est que les qualifiés par rapport aux non élite? Il sait pas? Question Bélo. Alors, parce que là, il y a une question technique des spécialistes. Alors, c'est assez complexe. Moi-même, je. C'est quoi la différence entre les qualifiés et les élites? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. On va tenter de trouver un spécialiste. Mais ils sont tous partis. Ils sont tous partis s'occuper de leurs chevaux parce qu'ils avaient des... Voilà, attendez, on est en train de chercher une solution. Tiens, oui, on va trouver une solution. Je vais demander à Monsieur Paul. Paul ? Monsieur Paul, c'est le monsieur qui est là. Paul ? Quelle est la différence entre un élite et un qualifié? Parce que là, on a 4 chevaux qui sont qualifiés. Qu'est-ce qui fait que ces chevaux sont qualifiés et non en élite? Les chevaux élites, ce sont des chevaux qui sont issus de juments de première catégorie. Et les qualifiés? Je ne sais pas répondre. C'est la bonne question. Eh bien, ce sont 4 chevaux qu'on va avoir plaisir, en tout cas, à découvrir, qui font partie de ce catalogue du 40 au 41, oui. Ça, ce sont des chevaux qui sont arrivés par les concours des haras nationaux et dont les juments ne sont peut-être pas première catégorie. Mais donc, ils sont arrivés là, qualifiés par les concours locaux et départementaux et régionaux des haras nationaux. Eh bien, voilà notre réponse. Merci, Paul. Ah, il a fait des études, ça se voit. Hein. Et voilà, les qualifiés. Et tandis qu'on a les classements, alors je vais accourir pour récupérer les classements. Ah, il y a 2 ex-échos. Alors, à qui je vole une feuille? À qui je vais voler une feuille? Très très serré. Pour la 6e place. Hop, regardez, j'ai piqué la feuille au juge, dites donc. Alors, 6e place, c'est le 35, Viva de la Bruni. Le 5e, c'est le 32, Princesse des Civaux. Donc là, on est des élites 37,5%. À la 4e place, le 38, Famous du Pecos. On vient de la voir. La 3e place, le 33, Perle de Mestre. À la 3e place, le 34, Sephora. Et, alors chose extraordinaire, il y a un ex-écho pour la première place entre le 36, Vulca de la Bruni, et le 37, Fury. Alors, je vais